Rachtilion, bonsoir à toutes et tous. Je vous propose de commencer donc ce premier conseil municipal de l'année 2023. Je vais procéder à l'appel, comme d'habitude. Donc, Madame Sandrine Araguas-Casemayor, Monsieur André Bayot, présent. Madame Danielle Bidondo-Baron, Madame Véronique Charriès, Madame Marie-Christine Daguerre-Elizondo, Monsieur Arelay Renard, Monsieur Nicolas Régéra a donné pouvoir à Madame Julie Gay-Capdevielle, Monsieur Pancho Tellier, Madame Marichu Soubieta, Madame Isabelle Alcayaga a donné pouvoir à Monsieur Arelay Renard, Madame Mirenchu Aramendi, Madame Gaëlle Claire, Madame Julie Gay-Capdevielle, Monsieur David Gonzalez, Monsieur Mathien Rafou Ruiz de Alda Laxonen, Monsieur Prouden Soudoupé, Madame Karine Boissonnet, Monsieur Beignat Elizondo, Monsieur Eric Mas. Ah, ça va poser problème. Madame Marina Olivon. Monsieur Beignat Ostis, Madame Annie Poveda, présent. Monsieur Jean-Serge Saint-Avit, présent. Madame Véronique Tasté, présent. Monsieur Francis Gavilan, présent. Madame Marie Jogoya a donné pouvoir à Monsieur Francis Gavilan, présent. Monsieur Henri Levrero, présent. Monsieur Jean Delecha, Monsieur Sébastien Echevarne a donné pouvoir à Madame Agnès Izaguirre. Madame Agnès Izaguirre, Monsieur Nicolas Fourcade et Madame Françoise Besnard a donné pouvoir à Monsieur Nicolas Fourcade. Bien, comme d'habitude, je vais proposer à Monsieur Mathien Rafou Ruiz de Alda Laxonen, qui est notre plus jeune conseiller municipal, d'accepter la charge de secrétaire de séance. Milishker Matine, merci Matine. Alors, on va commencer par l'approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal qui s'était déroulé le 12 décembre 2022. Il n'y a pas eu, sauf erreur de ma part, de demande de rectification ou de complément à faire. Donc, je vous propose de passer à la validation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie donc pour cette adoption à l'unanimité. Avant que d'évoquer les questions générales qui vont nous occuper donc cette soirée, je vous propose tout d'abord d'adopter une motion de rejet d'une nouvelle taxation foncière des entreprises et des particuliers pour le financement de la LGV, un sujet dont on parle beaucoup ces temps-ci avec les nouvelles lignes Bordeaux-Dax, Bordeaux-Toulouse qui sont à nouveau d'actualité. Et puis surtout, et c'est surtout sur ce point-là que la motion va nous intéresser, cette nouvelle taxe que nous allons avoir les uns et les autres sur notre imprimé taxe foncière, nouvelle taxe donc qui est ponctionnée, encore une fois, auprès des contribuables pour un projet dont, en tout cas, une large majorité ne veut pas sur ce territoire. Mais il n'empêche que nous allons quand même subir cette taxe-là. Donc je vais céder la parole à Pancho Tellier, qui maîtrise ce sujet du bout des doigts. Et donc je vais lui demander de présenter cette motion rapidement, avant que, ensuite, d'ouvrir éventuellement un débat et de procéder au vote. Pancho. C'est un combat que notre village mène depuis très longtemps, vous le savez. Alors, je ne vais pas vous relire la motion parce que vous l'avez devant les yeux. Je voulais simplement rappeler que cette taxe, que certains ont qualifiée de légère ou facilement digeste,
En fait, elle est injuste. Elle est injuste pourquoi ? Parce que il faut savoir que à Urrun, par exemple, il y avait eu un référendum et plus de 90% des Urruniards s'étaient prononcés contre ce projet. Aujourd'hui, ce projet nous est imposé et cette taxe également. Et ce projet, vous savez, il a été rejeté aussi bien que ce soit par la communauté de l'agglomération que par beaucoup de villages ici à Urrun. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un Urruniard doit payer cette taxe et un Andaillé ne la paiera pas ? Premier sujet, voilà, hein, qui fait que cette taxe est parfaitement injuste. Ensuite, il faut savoir qu'en 2020, par exemple, en réponse au rapport de la Cour européenne des comptes, la Commission européenne a précisé, la Commission a ouvert des discussions avec les autorités françaises, c'était l'année dernière, hein, afin que la ligne existante soit mise à niveau à temps pour le démarrage de l'exploitation de l'Y basque. Cela permettra de disposer d'une connexion transfrontalière efficace et de capacité suffisante. Autrement dit, les preuves existent que la saturation de la ligne existante n'aura pas lieu. Et donc la nécessité d'une ligne nouvelle n'est pas démontrée. Par contre, sa modernisation, oui, et c'est ce que l'on demande. Et au-delà de ça, donc, sur le financement, à part le fait que ça soit complètement injuste, il y a surtout beaucoup d'incertitudes dans ce financement, parce qu'on a basé le financement sur une participation de l'Europe de plus de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire 20% du projet. Or, l'Europe ne s'est jamais engagée là-dessus. Et ce qui va se passer, c'est que si l'Europe ne s'engage pas sur les 20%, eh bien, qui est-ce qui va payer la différence ? Je vous laisse le deviner. Voilà, donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette motion. Hein. Si vous avez des questions, eh bien, on sera tout à fait à même de vous répondre. Hein, pour toutes ces raisons, donc, on vous demandera de rejeter cette taxe nouvelle qui est imposée. Et on vous demandera également de demander la modernisation de la ligne existante, qui est beaucoup moins onéreuse et avec des services rendus qui sont tout à fait comparables. C'est-à-dire un gain de temps entre la ligne nouvelle et la rénovation de la ligne existante. Le gain de temps n'est que de quelques minutes. 2 minutes initialement appréciées par RFF. Voilà. Monsieur Levrero. Oui, bonsoir. Évidemment, on va voter cette motion, mais j'aurais aimé que il soit indiqué plus clairement que d'ores et déjà, nous, les Urruniards, allons financer la ligne Bordeaux-Toulouse. J'aurais aimé que ça apparaisse un peu plus clair pour que les s'y opposent également. Parce que être contre la taxe Bordeaux... évidemment, mais Bordeaux-Toulouse, on va y contribuer. Et ça, je l'ai vu nulle part dans la motion et je trouve étonnant de ta part, Pancho. Que t'es pas marqué ça, parce que c'est quand même assez scandaleux, quand même. Hein. Ben, c'est le GPSO que l'on finance, oui. Que la taxe va financer. Le GPSO, c'est le grand projet du Sud-Ouest. Le oui. Grand projet du Sud-Ouest, c'est quoi ? C'est Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax et Dax-Espagne. Mmh. Mais d'accord. Pour l'instant, Bordeaux-Toulouse, ça va partir que... Bordeaux-Andaille, enfin, on ne sait pas quand, si ça part un jour. Quoi. À Bordeaux-Dax, ça va partir aussi, apparemment. Ouais, mais quand, on ne sait pas. Quoi, toi. Ah. Mais Bordeaux-Toulouse, c'est parti. C'est 2340 communes qui sont touchées, quoi. Et ici, ça n'a pas fait trop de bruit. Alors qu'en Charente, ça fait quand même beaucoup de bruit. Je trouve, je m'étonne. Monsieur Telechia. Effectivement, c'est un sujet sensible, important, et qu'il ne faut pas traiter à la légère. Et je pense que cette motion, elle le traite à la légère. Motion de rejet d'une nouvelle taxation foncière des entreprises et des particuliers pour le financement de l'LGV. Il s'agit de l'intitulé de votre motion, laquelle motion ne traite uniquement que des arguments pour la modernisation de la ligne ferroviaire existante. Quand on lit votre motion, elle n'est pas en adéquation avec le titre. Donc, première remarque, le titre n'est pas en adéquation et les entreprises, vous ne les avez pas questionnées. Deuxième remarque, depuis plus de 15 ans que nous, élus ici, et d'autres avant nous, sommes mobilisés sur les questions du transport, nous nous trouvons en 2023 dans une situation critique sur la question de la mobilité au Pays Basque, après des années d'inaction. Le niveau de prix de l'énergie et des carburants est historique, il impacte gravement nos budgets, et en particulier
celui de ceux et celles qui ont besoin de se déplacer pour travailler, étudier ou bénéficier de services de proximité. En moyenne, 10 à 15% du budget des ménages est consacré aux dépenses automobiles. Et cela augmentera. La dépendance à la voiture ne cesse d'augmenter depuis 12 ans, au point de faire de la Côte Basque un bouchon permanent. Été comme hiver, un creuset de stress au volant et de pollution en CO2. L'offre de transport en commun est en retard en comparaison des agglomérations de notre taille, avec un service ferroviaire incertain et cher. Les jeunes et les étudiants en sont les premières victimes au lieu d'en être les heureux bénéficiaires. Je crois qu'au-delà d'émotions, les Ourougnards et les habitants de ce territoire attendent autre chose et surtout des actes, avec la prise en compte des réalités actuelles et à venir. Nous savons qu'à court terme, le raccordement de l'Y basque et du Pays basque Nord se réalisera en 2027 par la voie existante. On le sait. Le président Macron et le Premier ministre Sanchez l'ont acté en janvier dernier. Ne faisons pas semblant d'en être les auteurs. Cette motion n'a donc aucun intérêt politique immédiat. Mais est-ce que ce raccordement résoudra un jour les bouchons du Pays basque ? Vous disiez à la radio, monsieur le maire, pas plus tôt que vendredi dernier, que cette ligne existante devra devenir le topo d'Iparralde. Le topo, c'est un train qui roule toutes les 30 minutes dans chaque sens. Croyez-vous qu'on puisse faire passer sur la même ligne le topo d'Iparralde, le fret international, les TGV et les intercités ? Je partage votre vision. Il faudra passer d'un modèle du tout voiture vers un nouveau modèle de déplacement. Vous l'avez dit à la radio en parlant de la route de la Corniche. Ça sera dur à accepter pour les gens. Je partage aussi votre conviction que seul le train est une alternative durable et écologique pour décarboner et dépolluer nos déplacements. Mais monsieur le maire, assumez votre rôle d'élu en responsabilité, évitez de simplifier ce sujet complexe en rassurant nos administrés sur la capacité de la ligne existante et en vous appuyant sur des études ferroviaires qui vont jusqu'en 2030. La motion, elle parle d'études jusqu'à 2030. Nous sommes en 2023 et ce n'est pas une projection sur 7 ans qu'il nous faut, mais au moins sur 50 ans. Je vous rappelle que la ligne existante est de 1850. On discute d'infrastructures qui traversent les siècles et pas de liaisons cyclables. Donnez-nous, sur du temps long, des projections sérieuses sur la population qui s'installe sur notre territoire, les futurs usagers des transports ferroviaires. Donnez-nous, sur du temps long, des projections sur le trafic international de personnes et de marchandises actualisées. Le contexte énergétique mondial depuis un an et la crise des ressources naturelles pousseront RFF à imaginer des solutions techniques très différentes des modèles qui nous ont vendus en 2010. Donnez-nous des études budgétaires sérieuses pour la modernisation de notre ligne comme pour la création de lignes alternatives. Engageons-nous à refuser qu'Urugne soit à nouveau victime d'un désastre écologique comme elle a été à la création de l'autoroute ou lors de son élargissement et même lorsque RFF avait proposé sa nouvelle ligne en 2010. Et alors, nous pourrons choisir en conscience. Monsieur le maire, aujourd'hui, je m'abstiendrai sur cette motion qui minimise le problème et la situation du Pays basque et qui conforte la position minimaliste de messieurs Macron et Sanchez. En ce qui concerne les études capacitaires, Monsieur Telletia, vous auriez dû suivre les études qui ont été faites, notamment par le CAD, et notamment vous référez à la dernière étude qui a été faite par le Conseil européen. Vous avez vu les résultats, j'ai mis simplement une phrase qui résume la capacité fret qui sera demandée par le futur trafic. Ça ne va pas progresser. L'Europe prévoit, d'ici 2030, une augmentation de 20% du fret. Le fret, actuellement, ce sont 14 trains par jour. Rajoutez 20%, regardez à quel niveau on arrive. Et d'ici 2042, il prévoit à peu près la même augmentation. C'est-à-dire que le fret ne représentera jamais que à peine 40 trains par jour, deux sens confondus. Cette ligne,
pour vous rappeler un petit peu les études qui ont été faites, elle a une capacité de 264 trains par jour, monsieur Telechia. Vous voyez la marge qui reste pour le fameux topo, comme vous l'appelez, et ainsi que les trains internationaux, LGV, etc., qui sont prévus. Vous savez combien de trains internationaux sont prévus à terme, à long terme, en 2050 avec Madrid ? 18 par jour, 200 confondus. Ce n'est pas ça qui va saturer la voie. La voie, on est sûr qu'elle ne sera jamais saturée, quel que soit le trafic que l'on fait passer dessus, que ce soit voyageurs ou que ce soit marchandises. Pour vous situer un petit peu ce qui s'est passé du côté méditerranéen, où on avait les mêmes craintes, il faut savoir qu'en Méditerranée, eux, ils sont prêts là-bas, puisque la voie ancienne, avec un troisième rail, elle existe, donc le fret passe d'Espagne en France sans changer. Eh bien, là-bas, vous savez ce qui s'est passé ? Faute de trafic, le concessionnaire du tronçon a fait faillite il y a 2 ans. Une faillite retentissante. Et l'État français et espagnol ont été obligés de racheter le concessionnaire pour faire fonctionner cette ligne. Voilà. Est-ce que c'est vers ça que vous voulez aller ? La capacité n'est pas un problème de cette ligne. Voilà. Monsieur Tellier, moi, tous ces éléments ne figurent pas sur la motion. Et nous, on doit engager le conseil municipal. Non, sur une motion où même le titre est en décalage avec ce que vous écrivez dedans. Donc, si on doit signer une motion, il faut l'écrire avec les éléments que vous donnez par oral. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la motion. OK, monsieur Gavilan. Dans tous ces arguments, moi, je retiens qu'on crée deux brèches. La première brèche, c'est un nouvel impôt. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'on délibère. On est sur l'impôt, on n'est pas sur la ligne, le tracé, le machin. Non, on est sur un impôt nouveau. Ça veut dire que ce qui peut se passer dorénavant, c'est que le budget n'est pas bouclé, on va revenir à cette TSE. TSE pour un autre projet. Ça peut être aussi bien notre projet. Jusqu'à présent, on ne connaissait pas cette taxe. C'est une nouvelle taxe. Il faut s'opposer aux nouvelles taxes. Tout ce qui est tracé, projet, etc., topo, c'est, pour moi, c'est hors sujet. Je le dis comme je le pense. La deuxième brèche, c'est la tienne, Jean. Ça veut dire que jusqu'à présent, ici, il y avait unanimité. On a besoin d'avoir unanimité contre ce projet qui pourrait être néfaste comme on n'a jamais connu au Pays Basque. Ce n'est pas l'autoroute, c'est autre chose. C'est bien plus grave. Et je pense que là, on ouvre la boîte de Pandore. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus unanime. Je pense qu'il faut qu'on reste unanime. Je te le dis comme je le pense. Merci. Je vous remercie, Monsieur Gavilan, d'avoir recadré le débat et le sujet et l'objet de la motion. Monsieur Fourcade. Oui, merci à tous les intervenants. Moi, je tiens à appuyer cette notion d'unanimité, à l'exception peut-être de Monsieur Telechea, qui n'est pas satisfait du contenu qui fait des remarques peut-être justifiées sur le titre, etc. Mais je pense que sur des sujets aussi importants et qui engagent pour aussi longtemps toute la région et notre commune, il faut faire bloc absolument, que ce soit absolument pas ambigu. On fait bloc et on est contre ce projet. Voilà. Parfait. Je ne vais pas rajouter grand-chose de plus, puisque je crois que tout a été dit. Chacun prendra ses responsabilités vis-à-vis des Urugnards le moment venu. Donc je vous propose de passer au vote de cette motion. Donc il s'agit donc de voter encore une fois contre cette nouvelle taxe, et rien que cette nouvelle taxe, et de m'autoriser donc à l'adresser ensuite à toutes les autorités compétentes susceptibles d'intervenir sur ce sujet. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc M. Telechea s'abstient. Je vous remercie donc pour cette délibération, malgré tout adoptée à l'unanimité. Oui. Ça sera pas long. Il m'a semblé comprendre également que cette nouvelle taxe, elle appelle une nouvelle encore, sur la taxe de séjour qui va être augmentée de 33%, ou d'un tiers, 33-34%. Oui. Donc c'est un impôt plus un impôt. C'est ça. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'on parle déjà d'une taxe sur les bureaux et une taxe sur les parkings qui vont venir s'ajouter si on n'a pas assez d'argent. Bien. Je vous propose donc de poursuivre et d'ouvrir, on va dire, les questions générales avec donc un compte rendu des décisions, en l'occurrence 3 décisions de préemption que j'ai prises le 19 janvier de cette année. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte
qui justifie ces décisions-là. Nous avons été destinataires de déclarations d'intention d'aliéner, de trois déclarations d'intention d'aliéner qui portent sur un immeuble qui est aujourd'hui dans une situation quand même assez dégradée, qui se trouve au quartier de Béobi, quartier Paouchou. Déclaration d'intention d'aliéner donc sur trois lots qui concernent encore une fois le même immeuble. Il faut que vous sachiez que cet immeuble a été acheté en juin 2022. Les dates sont importantes. Par une SCI qui s'appelle la SCI Ibaneta, qui est un marchand de biens, disons les choses très clairement, pour un prix de 316 000 euros. Et donc cette société remet en vente ce même immeuble, mais découpé en trois lots, en octobre 2022, donc quatre mois plus tard, pour un prix de 425 000 euros. Et ce, sans avoir réalisé le moindre travaux dans cet immeuble. Donc, si on n'est pas là dans une opération spéculative, vous allez m'expliquer pourquoi. On entend malheureusement aujourd'hui de plus en plus sur le territoire du Pays Basque parler d'opérations spéculatives, indécentes, je dirais. On est ici dans des proportions peut-être plus mesurées, mais je pense qu'il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on soit cohérent, surtout qu'on est ici dans un enjeu qui est crucial, qui est l'enjeu du logement. L'enjeu du logement, je ne vais pas vous faire de dessins ni de détails. Tout le monde connaît aujourd'hui la situation catastrophique dans laquelle nous sommes sur ce territoire pour pouvoir se loger. Produire du logement accessible, ça passe bien sûr par la production de logements neufs, mais pas que. On sait que produire du logement neuf, ça amène aussi de la consommation foncière. On sait aujourd'hui que sur le territoire de notre commune, on est assez contraint en matière de consommation foncière, en application de différentes législations, que ce soit la loi littorale, et maintenant on nous parle aussi de la loi climat et résilience. Donc il y a un autre pan et un autre aspect que l'on ne doit surtout pas négliger pour produire du logement accessible, c'est l'utilisation, la rénovation, la réhabilitation, l'optimisation de bâtis existants. Et là, on y est. Là, on a un bâti existant qui, comme je vous le disais tout à l'heure, dégradé, et dans un quartier qui, aujourd'hui, je pense que vous serez aussi d'accord avec moi, présente aussi un enjeu de rénovation urbaine. Nous avons à quartier Béobi beaucoup de bâtiments qui sont assez dégradés, et je crois qu'on va devoir s'engager dans les mois et les années à venir dans ces opérations de rénovation urbaine dans ce quartier. Il n'y a pas plus tard que 8 jours, ici même, dans cette salle, se sont réunies plusieurs personnes pour venir s'informer sur ce qu'on appelle le programme d'intérêt général de rénovation, justement, de ces bâtis existants, bâtis dégradés, qui prévoit donc un certain nombre d'aides, de subventions octroyées par la communauté agglomération Pays Basque, auxquelles la commune du Rugne va venir aussi abonder. C'est une décision que nous avons déjà prise. Et donc, il nous semblait cohérent, un, pour ne pas laisser passer cette opération spéculative sans réagir, et deux, pour répondre à tous les enjeux que je viens de vous rappeler, de préempter donc sur ces trois déclarations d'intention d'aliéner. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire, encore une fois, le 19 janvier dernier. Alors, une première décision, je vais commencer par ordre décroissant,
qui concerne le lot numéro 3, qui est donc l'appartement situé au deuxième étage de cet immeuble, qui est donc aujourd'hui mis en vente pour un prix de 170 000 euros. Et donc nous avons préempté, en tout cas nous offrons de préempter, pour un prix de 130 000 euros. Une deuxième décision qui concerne le lot numéro 2, qui est donc l'appartement situé dans le premier étage de cet immeuble, qui est mis en vente aujourd'hui à un prix de 155 000 euros, et nous proposons de préempter pour un prix de 105 000 euros. Et enfin, une troisième décision qui concerne, quant à lui, le local, alors qui est un local à usage commercial, aujourd'hui bien évidemment désaffecté, qui est mis en vente pour un prix de 100 000 euros. Et là, en fonction des études de prix que nous avons pu réaliser, il s'avère que ce prix-là semblait être et semblait correspondre effectivement à la réalité aujourd'hui du marché pour ce type de local. Et donc nous offrons là de proposer ce prix de 100 000 euros. J'en aurais fini en vous disant que l'objectif, en tout cas pour ce qui concerne les deux appartements, celui du premier et du deuxième étage, notre objectif ensuite, si cette préemption va au bout, parce qu'on ne peut pas non plus exclure qu'il y ait une contestation, soit par la vendeuresse, soit par les acquéreurs qui se verraient évincés. En parlant des acquéreurs, je vous précise que les trois ne sont pas domiciliés sur ce territoire. Nous avons Paris, nous avons Mayotte, nous avons le 17, je ne sais pas quel département, Charente. Voilà. C'est important aussi, je pense à préciser. Et donc j'en aurais terminé en disant que notre objectif sur ces deux appartements est ensuite de travailler avec Solia, l'organisme Solia, qui était d'ailleurs ici, donc encore une fois, lundi dernier, pour nous présenter ce que c'était ce programme d'intérêt général et qui œuvre, vous le savez, pour la rénovation et la réhabilitation de bâtis existants pour ensuite les mettre, bien sûr, sur le marché de la location à l'année. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui fondamentalement et crucialement sur ce territoire. Voilà donc ces trois décisions que j'ai prises le 19 janvier 2023. Je vous propose de poursuivre avec la question numéro 2. Donc il s'agit de la démission et du remplacement d'un conseiller municipal. J'ai été destinataire donc d'un courrier en date du 1er janvier 2023 de notre ancien collègue M. Pascal Fauché, qui a donc pris la décision de démissionner. Et en application des règles du Code général des collectivités territoriales, eh bien, la prochaine personne, enfin la personne suivante dans la liste du groupe Elgarekin faisant revivre Urugne, sous lequel une majorité des Urugnards nous a fait confiance, eh bien, c'était M. Éric Mas. Éric Mas qui a gentiment accepté donc, d'intégrer notre équipe. Et donc, je lui souhaite la bienvenue, Ongi et Tori Éric, dans notre équipe. Et donc, je vous propose de l'intégrer. Et de ce fait, il faut procéder à la modification donc, des commissions municipales dans lesquelles siégeait donc M. Pascal Fauché, et donc de remplacer ce dernier par M. Éric Mas. Il s'agit donc de la commission démocratie participative, de la commission tranquillité publique, association et sport, de la commission commerce, artisanat et transfrontalier, de la commission accessibilité aux personnes handicapées et de la commission extra-municipale, commerce et artisanat dans la transition. Donc je vous propose donc de prendre acte de l'installation de M. Éric Mas en lieu et place de M. Pascal Fauché, et donc d'approuver la nouvelle constitution des différentes commissions, si citées avant. Est-ce qu'il y a des observations à faire ? Je ne pense pas. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie donc pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Et encore une fois, Ongi et Tori à toi, Éric. Troisième délibération, 60e anniversaire du traité de l'Élysée. 2023, en fait,
sur le territoire français donc les 60 ans de la signature, le 22 janvier 1963, du traité de l'Élysée, qui avait été signé à l'époque par M. le chancelier Konrad Adenauer et M. le président de la République, Charles de Gaulle, qui avait été un tournant historique, on va dire, dans les relations entre la France et l'Allemagne, et une étape décisive après l'adoption et la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité avait permis de rapprocher les deux peuples qui, effectivement, à un moment donné, un triste passage de notre histoire, se sont fait la guerre. Et suite à cette dynamique, comme vous le savez, de nombreuses communes, dont la nôtre, ont passé, conclu des accords de jumelage avec des communes allemandes. En ce qui nous concerne, il s'agit de la commune de Soulzbach. L'association française du Conseil des communes et régions d'Europe, qui est engagée donc en faveur de ces jumelages, nous appelle, toutes les communes qui sont aujourd'hui jumelées, à adopter une déclaration que vous avez pu lire, qui est en annexe. Je pense qu'il est, même si cela peut paraître peut-être très symbolique à beaucoup d'entre nous, pour moi, ça ne l'est pas forcément. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, quand on entend le bruit des canons et le bruit des bottes, pas si loin que ça, dans l'Europe ou aux portes de l'Europe, je pense qu'il est important, par cet acte-là, et donc par cette adhésion à cette déclaration, de montrer que, en ce qui nous concerne, nous sommes toujours attachés à ces valeurs de paix, puisque ce traité de l'Élysée était un témoignage de paix à l'époque, et il le reste aujourd'hui. Et je pense que les futures générations, et d'ailleurs, cette association a beaucoup œuvré aussi pour que les jeunes de nos pays respectifs puissent se rencontrer. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, vis-à-vis de ces nouvelles générations, de montrer que nous sommes toujours attachés à ces valeurs de fraternité, de relations, de paix entre nos pays en Europe. Voilà, c'est pour cela que je vous propose donc d'adopter cette déclaration qui nous est elle-même proposée par cette association française du Conseil des communes régions d'Europe dans le cadre donc des célébrations de ce 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Y a-t-il des observations, Monsieur Levrérot ? Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, ce 60e anniversaire a une portée particulière aujourd'hui, au moment où l'Ukraine résiste à l'attaque de la Russie et où l'idéal de paix et de dialogue a été piétiné. Ce traité signé en 1963 par le général de Gaulle et Konrad Adenauer nous rappelle qu'il faut plus que jamais ambitionner une Europe unie et totalement maîtresse de son destin. C'était aussi l'idée de ce traité, c'est-à-dire une Europe indépendante et des États-Unis et de la Russie. Merci pour ce complément. Y a-t-il d'autres observations ou réactions ? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette unanimité. Et nous allons aborder donc le sujet principal, on va dire, le plus long, certainement, de ce conseil, de cette soirée, qui est donc ce débat d'orientation budgétaire. Sur la base donc d'un rapport d'orientation budgétaire dont vous avez été rendu destinataire, alors je le dis en propos introductif, comme l'année dernière, vous avez été destinataire d'un rapport brut, un texte, très froid peut-être. Vous allez être destinataire dès demain de ce même rapport qui a été mis en forme, qui est agrémenté aussi d'un certain nombre de photographies. Voilà. Alors, vous rappelez en propos introductif que je souhaite, comme l'année dernière, que la présentation de ce rapport avant le débat d'orientation budgétaire soit une présentation à plusieurs voix. C'est pour ça que j'ai demandé aux adjoints, adjointes et délégués d'intervenir sur chacune de leurs thématiques, sur chacune de leurs politiques publiques. Rappeler en propos introductif que
c'est une obligation légale, hein, puisque en tant que commune de plus de 10 000 habitants, le maire doit présenter au conseil municipal, donc dans les deux mois de l'adoption du budget, qui aura lieu, je le dis de suite, lors du prochain conseil municipal du 3 avril 2023, donc doit présenter au conseil municipal un rapport d'orientation budgétaire et inviter le conseil donc à débattre sur ce rapport, rapport qui présente donc les grandes orientations des politiques financières et fiscales par politique publique qui vont être menées ou qui va être menée non seulement pour l'année en cours, donc en l'occurrence ici l'année 2023, mais également pour les années suivantes. Et je rappelle que en début d'année 2022, nous vous avions présenté un plan pluriannuel d'investissement dont on va aujourd'hui aussi parler à l'occasion, bien sûr, de ce débat d'orientation budgétaire. Alors, rappelez, si besoin était, qu'on parle d'orientation, qui sont des orientations prévisionnelles, que tout ça devra s'affiner, en tout cas, bien évidemment, pour ce qui concerne cette année 2023, dans le cadre du budget que nous voterons dans un peu moins de deux mois, et des orientations qui sont bien sûr aussi réactualisées lorsqu'on parle de plan pluriannuel d'investissement. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'exercice d'élaboration budgétaire que l'on doit réaliser cette année sera extrêmement compliqué, extrêmement contraint. On connaît tous dans quel contexte on est en train d'évoluer depuis 2022, un contexte inflationniste, augmentation vertigineuse des coûts d'énergie, augmentation vertigineuse des matériaux, tout augmente. Le contribuable et nos administrés voient leur pouvoir d'achat aussi amputé et très contraint aussi. Et nous, collectivités territoriales, on va devoir subir aussi ce contexte inflationniste. Alors, bien évidemment, malgré ce contexte-là, il ne faut pas non plus tomber dans la sinistrose. Il faut que l'on reste quand même ambitieux et il faut qu'on reste aussi en mesure de remplir nos engagements, les engagements que nous avons pris vis-à-vis des Urugnards. Et donc, c'est en ça que cet exercice sera difficile, c'est-à-dire que tout en subissant ces contraintes inflationnistes, on va devoir quand même garder notre ambition pour mener, encore une fois, à bien les projets sur lesquels nous nous sommes engagés. Voilà un petit peu le contexte, contexte qui va être plus détaillé et plus clarifié encore par André dans quelques secondes. Mais je tenais effectivement déjà à vous planter ce décor-là, qui, encore une fois, pourrait nous amener à du pessimisme, mais nous ne devons pas tomber dans le pessimisme quand on est en responsabilité de mener des actions publiques dans l'intérêt de nos administrés. Donc, je disais, présentation à plusieurs voix. L'exercice n'est pas de lire le rapport, hein, puisque le rapport, vous êtes censés l'avoir tous lu, mais l'objectif et puis l'intérêt, je crois, de ce conseil aujourd'hui, c'est plutôt de débattre. Donc, on va présenter d'abord ce rapport, politique publique par politique publique, et après donc j'ouvrirai bien évidemment le débat, et je propose donc à André de commencer cette présentation par rapport au contexte et puis les grands éléments, encore une fois, ce qui concerne le fonctionnement et les investissements pour cette année 2023. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et tous. Je vais essayer d'être succinct, néanmoins le plus clair possible pour essayer de laisser la part que le débat mérite. De rappeler que ça fait 40 ans que le contexte que l'on connaît aujourd'hui n'a pas été vécu.
Les dernières années où l'inflation a dépassé 10% se situent entre les années 1972 et 1983. Sur les 20 dernières années, on a pu, en excluant celle de 2022, l'inflation annuelle moyenne était de 1,4%. En 2022, l'allure était de 7%. On ne se plaindra peut-être pas, parce qu'on constatera que d'autres pays européens connaissent une inflation à deux chiffres. Néanmoins, c'est un constat qu'il faut prendre en compte. La consommation au cours de ces derniers mois, elle a ralenti, la consommation des ménages. Néanmoins, l'activité économique reste soutenue, en ce sens que, ce que j'allais vous dire, ce que disait Philippe, tous les secteurs d'activité connaissent une inflation galopante. Aucun n'est épargné aujourd'hui, que ce soit les travaux, les prestations, l'énergie, les carburants, l'alimentation, tous sont sur des allures de coûts supérieures à 10%. Je vais en venir à ce qui concerne nos dépenses. Premièrement, les dépenses de fonctionnement hors personnel. On a tous entendu parler d'amortisseurs, de parapluies. Ce qui nous concerne, par exemple, c'est l'augmentation de l'énergie et l'électricité. On nous a promis récemment un amortisseur des coûts d'énergie. Et on nous a dit, vous allez voir, donc finalement, on va vous proposer une mesure qui va réduire votre facture d'électricité de 20% environ. Oui, mais elle l'a réduit sur les prix de 2021. Aujourd'hui, on nous annonce des hausses de 200%. Je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent sur nos dépenses d'électricité. Autre exemple, le coût d'achat de la restauration scolaire. On a conclu un nouvel accord de prestation qui a démarré en septembre 2022 sur des bases de plus 21% par rapport à ce qu'elles étaient en 2021. Aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 15 jours, le prestataire nous dit « Avant la fin du mois de septembre, je vous demande d'accepter une hausse de 8% supplémentaire, qui seront soumis à négo, mais on en est là. La restauration scolaire, pour laquelle, pour l'instant, nous n'avons répercuté aucun coût, presque plus 30%. Sur les carburants, vous savez tous que les aides dont on a pu bénéficier en 2022, elles ont disparu. Donc on va payer plein pot sur ces postes-là. Sur les postes de fourniture, prestations, entretien, petit matériel, on est dans la même spirale haussière et il va falloir se battre pour arriver à contenir les prix. Du point de vue des dépenses de personnel, elles vont connaître une hausse significative. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Premièrement, on va connaître en 2023 l'impact des recrutements que l'on a fait en cours d'année 2022. Et là, on va les recevoir en année pleine et non pas sur une partie sur 3 mois ou 6 mois. Là, on va prendre l'intégralité des coûts de nos recrutements de 2022. Bon, pour nous, ils sont justifiés parce qu'ils répondent à un besoin, mais ils seront là. Je citerai pêle-mêle une équipe de montagne de 3 personnes, un mécanicien supplémentaire, un électricien supplémentaire, un chef de projet urbaniste, le renforcement de la police municipale qui auparavant était une prestation de mise à disposition, un technicien ou une technicienne de langue basque, et j'en passe. Nous devons également assumer quelque chose sur laquelle nous n'avons aucune maîtrise, en ce sens que l'État a décidé, c'est tant mieux pour eux, qu'en juillet 2022, les agents territoriaux bénéficieraient de l'augmentation du point d'indice de 3,5%. Donc, à prendre en compte, puisque s'il est intervenu en juillet, nous allons la prendre pour moitié de plus cette année, donc une augmentation de 75 000 euros environ. Nous avons mis en œuvre, à compter d'octobre 2022, un nouveau régime indemnitaire qui, vous savez, avait été contesté début 2020 et qui va coûter à la collectivité environ 117 000 euros de plus que l'année dernière. Ensuite, on va avoir à faire face à l'évolution statutaire des agents, liée
à l'avancement de leurs compétences et à l'avancement de leur ancienneté, ce qu'on appelle le GVT. Et là aussi, nous ne devrions pas être loin des 1,5% de plus. Un point qui nous a quand même, qui nous perturbe un peu et qui impacte quand même les traitements et salaires, on a un absentéisme voulu, qui est celui, par exemple, d'avoir mis et proposé une formation en langue basque à nos nombreux agents. Celui-là, il est voulu, il est maîtrisé, en ce sens que l'on sait ce que coûtent les remplacements des agents, notamment des ATSEM, sur leur poste. Il y a un absentéisme qui est moins voulu, celui-là. Et je prends un exemple, c'est que nous avons aujourd'hui l'équivalent de, Marie-Thieu me corrigera, presque 10 à 15 personnes qui sont absentes en permanence. Il y a 5 personnes qui sont là, absentes depuis des mois et de manière récurrente, sans espoir de retour après échéance. Parallèlement, il faut assurer les remplacements quand c'est nécessaire et ça pèse sur les coûts de personnel. De plus, les recrutements de 2022 ne correspondaient qu'à une partie des besoins qui ont été exprimés. Et donc nous avons dans les tiroirs sous les coudes des besoins supplémentaires à satisfaire qui pour l'instant font l'objet d'un arbitrage, mais qui sont pour certains d'entre eux déjà actés et qui viendront donc aussi grossir le volume de nos dépenses. On peut également redouter, puisque vous savez que le SMIC depuis 2021 a progressé d'environ 8 à 10%, que le point d'indice a progressé de 3,5%, mais qu'on n'est pas à l'abri cette année d'une augmentation nouvelle du point d'indice. Et ça, eh bien, il faut s'en prémunir et le prévoir éventuellement. Deuxièmement, ce sont les personnels de catégorie C qui ont été les premiers bénéficiaires des révisions de l'année dernière. Et on peut s'entendre à ce que cette année, ou dans un futur proche, ce soit les catégories B qui en bénéficient. Tant mieux, mais ça ira aussi peser sur les comptes de la commune. Voilà pour ce qui est des dépenses de fonctionnement. Sur les recettes, la loi de finances 2003 a prévu une hausse des bases taxables, des valeurs locatives, d'environ 7%. Et donc, à taux égal, les recettes seront augmentées de 7%. Les recettes fiscales, soit environ 300 000 euros. Mais, parce qu'il y a un gros mais quand même, parallèlement, les autres recettes seront en diminution sensible. Et je vais tenter de m'expliquer. La DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, qui est la principale contribution de l'État, a déjà baissé de 46 000 euros l'année dernière. Elle se situe environ à 650 000 euros. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui à ce que cette DGF remonte. Donc elle va sûrement rester à son niveau. Deuxièmement, nous ne connaîtrons plus les bonnes surprises, même si elles étaient quelquefois condamnables, les bonnes surprises que nous a menées la taxe additionnelle sur les droits de mutation. C'était quoi ? C'était 1,2% que percevait la commune sur toutes les transactions immobilières qui s'y déroulaient. Nous avons connu, par exemple, en 2021, un pic de 1 130 000 euros dont a bénéficié la commune. En 2022, sur ce poste-là, on a connu une recette moindre d'environ 150 000 euros. Et il semble que le volume des transactions en nombre, je ne dis pas en montant, le volume de transactions en nombre stagne. Donc là, sur ce point-là, on va encore baisser. Vous savez également, mais si vous ne le savez pas, je le répète, nous percevons également une taxe sur la consommation finale d'électricité. Depuis l'information sur le dispositif EcoWatt, la consommation finale d'électricité en France a baissé de 8,5%. Il m'étonnerait que la taxe que nous percevons ne prenne pas le même chemin. La taxe sur les pylônes électriques devrait se maintenir au niveau de 2022.
Il n'y a aucune raison pour que la contribution de l'agglo, l'attribution de compensation, bouge d'environ 1 800 000 euros. Au global, nos recettes de fonctionnement en 2022 devraient être du même montant à peu près que celles de 2021. Et je rappelle quand même que nos dépenses de fonctionnement vont subir l'augmentation supérieure à 10%. Je vous laisse imaginer l'impact sur l'excédent. Du point de vue des investissements, on avait prévu, le PPI prévoyait une allure cette année autour de 6 millions d'euros. On doit adopter nos ressources ou l'allure de ces investissements en nos propres ressources. J'ai déjà eu l'occasion de dire il y a quelques semaines que si on n'avait pas suivi la courbe et l'allure des investissements qu'on avait prévus, c'était que peut-être on n'avait pas suffisamment les moyens humains d'accompagner en vitesse ces investissements. On est également contrarié par tout un tas de contraintes. Premièrement, les contraintes administratives. Aujourd'hui, quand on décide d'un projet, on n'est pas seul à décider. On a comme partenaire souvent l'agglo, le SDEPA, la région, le département. Et ça, ça ne va pas dans le sens d'une réalisation rapide de nos projets. Deuxièmement, les coûts s'envolent. Aujourd'hui, quand vous avez un devis, on vous propose un devis. Il y a un an, on vous disait il est valable 3 mois. Maintenant, on vous dit il est valable 1 mois. Et quelquefois, sous 15 jours, on revient vous voir en disant il n'est plus valable. Ceci a entraîné récemment de nous entraîner à différer 2 investissements programmés et à nous poser une question fondamentale de retrait d'un projet qui avait été initialement engagé. Donc nous en sommes, par exemple, à ce stade-là, où si les projets n'avancent pas, c'est parce que leur prix augmente. Les délais sur le matériel roulant, je vais prendre 2 exemples. On a commandé, il y a maintenant plus d'un an, un outil qui s'appelle un Merlot, qui est un appareil de levage. 52 semaines de délai. Toujours pas livré. Commandé en 2022. On a commandé une mini-pelle. Ça fait maintenant plus de 6 mois. Le fabricant est incapable de nous dire quand est-ce qu'il sera livré. D'où impact sur la réalisation de nos investissements. Dans ce contexte, on va avoir une capacité d'autofinancement, c'est-à-dire une capacité à financer avec nos sous propres, avec nos excédents, capacité puisque notre excédent va diminuer. Et donc, on va devoir recourir éventuellement, mais même sûrement, à l'emprunt. Si jamais on doit maintenir ce niveau de 6 millions d'investissement. Et je ne vous cacherai pas que entre le taux que l'on connaissait en janvier 2022 et celui que l'on connaît aujourd'hui, il y a un écart de 200%. Il y a un an, on empruntait à 1,5%. Aujourd'hui, on emprunte à 3,5%. Conclusion. Nous n'avons pas de perspective de recettes complémentaires significatives. Je vous ai dit, elles resteraient au niveau de celles de 2022. Et quand on n'a pas de perspective d'augmenter ces recettes, il faut agir sur les dépenses. Alors je vous ai dit, on n'aura pas tous les moyens de le faire puisque certaines dépenses nous sont imposées. On n'a pas les moyens de faire autrement. Mais sous d'autres dépenses, on a sûrement les moyens de faire quelque chose. Donc je proposerai de travailler sous 2 axes. La mise sous contrôle étroit des principaux postes de consommation d'énergie. Il y en a 4 ou 5, dont les écoles, dont la salle polyvalente, dont le CLSH, dont le stade et d'où le CTM. Ces postes-là, leurs utilisateurs doivent bénéficier d'une sensibilisation au problème qu'est la consommation d'énergie. Et la portée sur les particuliers, la preuve, je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir suggéré EcoWatt s'est traduit par une baisse de la consommation, il n'y a pas de raison que la commune n'en bénéficie pas. Donc on demandera aux agents, aux associations, d'adopter des pratiques vertueuses de les relayer. Deuxièmement, nous n'avons pas de culture, pas tous au moins, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas les moyens de nous attarder sur nos pratiques d'achat. Aujourd'hui, certaines pratiques d'achat fonctionnent sur l'habitude.
j'ai mon fournisseur attitré, je vais penser à lui pour renouveler mes commandes. Ça, il faut que cette pratique-là elle soit mise à la poubelle. Il faut obtenir de cette nouvelle pratique le meilleur service, le meilleur bien au meilleur prix. Et donc, ça veut dire que quand on a un euro à dépenser, eh bien, il faut qu'on les cherche à atteindre, à faire mieux que les 100% de dépenses qu'on avait envisagées. Il n'y a que sur ces points-là que l'on a la marge de manœuvre. J'espère convaincre tous les acheteurs d'adopter ces pratiques vertueuses. Merci, je suis à votre disposition. Alors, bien sûr, avant d'ouvrir le débat, hein, donc voilà le contexte, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, on a des politiques publiques à mettre en place. Et donc là, je vais désormais demander aux uns et aux autres de nous présenter pour chaque politique publique, bon, déjà en deux ou trois idées fortes, encore une fois. Hein, je vous demande de faire cet effort de synthèse, s'il vous plaît. Donc de présenter un petit peu déjà ce qui s'est fait en 2022, parce que, bien évidemment, 2023 sera dans beaucoup de domaines la poursuite de ce qui s'est fait en 2022. Et puis de préciser, bien évidemment, quels sont les projets que nous avons aussi pour cette année 2023. Parce que, je le disais tout à l'heure, on a un contexte contraint, mais on doit garder aussi la mesure de nos ambitions, tout en faisant cet exercice de maîtrise dont rappelait André il y a quelques secondes. Donc je vous propose de commencer par la première politique publique, qui est la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre toutes les discriminations. Et je cède la parole pour quelques minutes à Madame Annie Poveda. Gawen Deneri, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très fière de démarrer cette campagne, j'allais dire, de promotion pour l'égalité que mène à bras le corps notre commune grâce à la signature de la Charte européenne égalité femmes-hommes. Et qui donc a pu se doter ensuite d'une commission extra-municipale qui fonctionne en toute forme de démocratie participative. En tout cas, je veux pour preuve que samedi dernier, et certains étaient présents, la commune a eu la volonté de mettre à l'honneur et de donner le nom d'une femme dans une salle municipale dédiée aux associations au sein de l'espace sportif du stade de rugby. Sachez qu'en France, il n'y a que moins d'1% de noms de femmes donnés dans des espaces sportifs. Donc c'est vraiment une marque forte que notre conseil municipal a prouvé samedi dernier. Donc pour vous dire que pour tendre vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes, il y a surtout deux axes phares qui sont en prioritairement la lutte contre les violences envers les femmes et lutter contre toute forme de discrimination et surtout de pouvoir agir vers une égalité réelle, d'avoir une visibilité, de promouvoir une visibilité de la place des femmes dans notre commune. Donc nous avons trois formes de direction qui sont déjà agir au sein de nos agents et agentes au sein de notre commune, voilà, je vais y arriver, avec des axes qui seront de promouvoir de la formation. Pour cela, on s'est basé sur une enquête que nous avons menée au sein donc de nos services. Deuxième volet qui est très important, qui est donc celui de la place des femmes dans la vie locale. Nous accompagnons les journées fortes de l'année, qui sont en particulier le 8 mars, la journée de la défense des droits des femmes. Le 25 novembre, la lutte contre les violences envers les femmes. Le 17 mai aussi, cette journée essentielle de lutte contre l'homophobie par des actions. En particulier, vous allez en voir une dans quelques jours, qui sera celle de distribuer gratuitement des poches à pain dans les boulangeries lorsque vous achèterez votre baguette. Et sur cette poche à pain, vous verrez l'illustration du violentomètre.
Donc une échelle qui montre les degrés, hein, on sait voilà, où commencent parfois les violences envers les femmes et jusqu'où cela peut se terminer, avec le numéro d'urgence, les numéros essentiels. Donc cette visibilité qui semble très anodine, sachez donc chacun et chacune sur sa table de cuisine verront pendant ce week-end là, le 4 et 5 mars donc ces poches à pain. C'est d'ailleurs une action de partenariat que nous avons eue avec d'autres communes, Asquin et Biarritz en particulier. Ensuite, pour terminer, nous avons surtout une action, et ça j'y suis très attachée, de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes. En partenariat avec l'espace jeune, nous avons des projets de surtout cibler le cyberharcèlement et des projets communs, voilà, de travail, de sensibilisation sur ce sujet particulièrement sensible, vous le savez. Je pourrais aussi vous dire que la place des femmes et la visibilité est importante. J'aimerais me souvenir que nous avons eu une action très forte pour laquelle j'étais très fière, c'est d'avoir pu mettre à l'honneur Daniel Albissou l'année dernière lors de l'exposition des Basquels au moment du 8 mars. Voilà, sachez que le fait d'avoir pu donc constituer ce panneau permettra d'inclure son nom dans un beau terme qui va ensuite être distribué à l'ensemble des communes pour permettre justement la nomination des places, des rues, voilà, dans l'ensemble des communes. Voilà, Milechker. Milechker Annie, on poursuit avec la promotion de l'Euskara, Pruden. Arrastirion, Gouziei, bonsoir à toutes et à tous. Donc, hasiko naiz bi hizkuntzetan egin dut, ze zera bilingue. Mongol me le demanda. Hasteko, sarrera gisa behar da Euskara zerbitzua plantan emana izan dela erran, 2022ko azaroaren lehenaz geroztik. Eta karia horretara Euskara garatzailea kontratatua izan dela, horrek aurrekontuetan lerro berri bat sortzea galde egiten du. En ce qui concerne la promotion de l'Euskara pour les 2023, il faut tout d'abord en introduction signaler qu'une nouvelle ligne budgétaire a été ouverte. En effet, suite à la délibération adoptée le 29 mars 2022, le service langue basque a été créé au 1er novembre 2022 avec l'arrivée d'une agente. 2023-ko erronka nagusia zerbitzua egituratzea da eta bide batez 2022-2026 eperako proiektua apailatzea. Proiektu horrek azken bi urteetan hartuak ditugun engaiamenduen araberakoa izan beharko luke. Lehenik, elkargoarekin izenpetua dugun lankidetza hitzarmenari doazkionak eta bigarren, Europako hizkuntza gutxituen gutunean hautatu genituen engaiamenduak. Pour 2023, donc, l'enjeu est essentiellement celui de la structuration du service, on est en plein là-dessus, et de l'élaboration d'un projet 2023-2026. Cette feuille de route répond aux engagements de la commune dans le cadre de la convention des partenariats portant sur la création du service de langue basque signé avec la communauté d'agglomération Pays Basque le 12 avril 2022 et les 38 articles adoptés dans le cadre de la charte de la collectivité locale pour la promotion de la langue régionale adoptée le 26 juillet 2021. Euskara zerbitzuaren egintzak bost ardatzen inguruan biltzen aldira, baina hiru lehenak baizik ez ditut laburki garatuko. Lehen ardatza, urruñarako hizkuntza politika abiaraztea, diagnostikoa egin, gutunen, xarten eta prozeduren idazketa egiten ari dena, Euskal Elkargoko hizkuntza politika zerbitzuarekin lotu gidaritza batzordea, kopil, ezartzea, eskualdeetako hizkuntzen tokiko gutunaren jarraipen ariketa egitea, hori jadanik egina dugu, lehen bilena egina da, eta igorria. Bigarren ardatza, biztanleria elebidunaren dako zerbitzu eskaintza egituratzea. Euskara ikasten ari diren langileen ikasketa prozesuaren jarraipena, eta bestalde, sentiberatze egintzak udal langileentzat, praktikatzeko guneak sortzea Euskara dakiten edo ikasten ari direnentzat. Herritarren dako komunikazio euskarrien itzulpena, ereduzko dokumentuena, seinaletika eta beste. Hirugarren ardatza, Euskararen transmisioa, elkargoaren dispositiboen jarraipena egitea, aurkipien sailean, aisialdian eta eskola ingurukoetan,
gazteguneko zerbitzua sustengatzea, euskarazko jarduerak edatzean. Gurasoak sentiberatzeko saioak antolatzea, euskararen nondik norakoak buruzkoak. Alors les actions du service s'articulent autour de 5 grands axes principaux, mais cette présentation n'abordera que les 3 premiers. Le premier axe, c'est la mise en marche de la politique linguistique de la commune, réalisation d'un diagnostic que nous sommes en train de faire, rédaction des chartes et des procédures en cours, installation d'un comité de pilotage en lien avec le service politique linguistique de la CAPV, exercice du suivi de la charte locale des langues régionales qui a été réalisée il y a peu de temps. Alors, le deuxième axe est assujet à l'offre du service à la population bilingue, suivi des formations des agents, traduction des supports de communication à destination du public, des documents types, formulaires et autres, et signalétiques. Action de sensibilisation pour les agents, initiation des 36 heures à la langue basque pour les agents, mise en place d'actions de pratique pour les agents bascophones ou en cours d'apprentissage. Et enfin, troisième axe, transmission de la langue basque, suivi des dispositifs de la CAPV dans les accompagnements des structures de la petite enfance, label d'accueil bilingue Léa, qui existe déjà dans certaines crèches, accueil de loisirs et périscolaires, label d'accueil bilingue Euskaraz Diosta, accompagnement de l'espace jeune dans le déploiement d'activités en langue basque, sensibilisation des parents, atelier spécial famille, de découverte et d'initiation à la langue basque pour les parents non bascophones. Ça a été vu dans une réunion avec les écoles, avec des directeurs ou des enseignants des écoles. Et mise en place des projets communs avec les écoles, notamment avec une offre sur la culture basque, exemple conférence sur la mythologie, le carnaval. On a été demandé, ils sont très contents, et c'est parti avec Eusko Ikaskuntza, justement, il y a déjà des choses qui sont prêtes et en train de se faire. Alors, bururatzeko azken bi ardatzak ondoko bi gaien hauen inguruan dira. Horiek, ardatz horiek agertzen dira dosierean, beraz ez ditut garatuko. Orduan, horiek dira lehena eragile sozialai laguntzea eta urruñarrak, elkarteak eta, gaia sentiberatzeko egintza bereziak proposatzea. Eta azkeni, bosgarren ardatzak erakusten du gehiago loturak eta sareak sortzea eta egintzak gai honekin lotura duten Euskal Herriko eragile guziekin batera. Donc, le 3e et 4e et 5e axe qui n'ont pas été développés, mais que vous avez dans votre dossier sur le rapport. Alors, les deux axes restants ont trait, d'une part, à l'accompagnement des acteurs sociaux et les actions spécifiques de sensibilisation en direction des Urugnards. Il y a beaucoup, ça concerne les associations et autres, et après, le public en général. Et d'autre part, le 5e, créer des liens et des réseaux, mutualiser les actions avec tous les acteurs du Pays Basque concernés par la matière. Donc, ça veut dire des acteurs d'ici, du Pays Basque Nord, mais aussi du Pays Basque Sud, donc il y aura aussi des projets transfrontaliers. Beraz, mil esker denari, pazientziagatik. Mil esker pruden, demokrazi participative, un axe transversal, arre. Bonsoir, je recommence. Bonsoir à tous et à toutes. La démocratie participative peut se décliner en plusieurs volets. Il y a le conseil de quartier, un futur conseil participatif et les réunions publiques, mais aussi la vie associative. La vie de conseil de quartier n'était pas très vivante. Ça souffert beaucoup depuis des années et depuis quelques mois avec l'aide d'un cabinet de conseil Fréquence Commune, on a commencé à parler comment on veut fonctionner comme un conseil de quartier. C'était avec les élus, mais aussi avec des gens de conseil de quartier et des agents. Donc on est en train de finaliser une charte pour le fonctionnement qui sera proposé après dans tout le quartier, tout le conseil de quartier. Ce sera fin du mois qu'on pense d'avoir terminé ça. Notre axe, c'est l'installation cette année d'un conseil participatif. Donc, c'est notre volet qu'on va entamer bientôt. Et comme on a déjà fait dans le passé, on va continuer dans le futur avec des réunions publiques concernant des projets qui impactent la population en grande partie. Et bien sûr, pour une démocratie participative, on a aussi besoin de nos associations. Voilà.
Milesker. Milesker Arré, politique sociale, une ville aux côtés des plus vulnérables. Daniel. Bonsoir à tous, Gabon, Deneri. Au-delà des missions, je dirais, classiques du CCAS et des diverses aides sociales, nous continuerons à mettre l'accent sur l'aide alimentaire. L'accès à une alimentation de qualité est un droit fondamental. Depuis le début du mandat, nous ne cessons d'évaluer cette aide alimentaire. L'année dernière, nous avions révisé les barèmes des restes à vivre, je dirais, augmenté la participation du CSAS. Mais pour autant, l'épicerie sociale reste peu fréquentée. Donc nous avons décidé de continuer à faire un travail sur faire évoluer cette épicerie sociale vers une épicerie solidaire, c'est-à-dire ouverte à tous, à toutes et à tous, dans un projet, je dirais, en lien avec la commune qui, elle, a une volonté de production maraîchère de proximité biologique. Conjointement, je dirais, suite au week-end organisé en octobre 22 sur la sécurité sociale de l'alimentation, et des citoyens qui ont adhéré à cette démarche plus globale, je dirais, et ils sont prêts à travailler, à réfléchir ensemble sur cette thématique. Donc, il y a un groupe de travail qui se met en place. Pour terminer, par rapport au logement communément appelé d'urgence, que je qualifierais plus de temporaire, actuellement, ils sont en nombre de 5. Nous avons conventionné avec Aterbea pour 2 logements. Nous travaillons avec la mission locale et Solia pour 2 autres. Et le cinquième, nous sommes en cours de réflexion pour l'aide aux migrants et ou une association pour les réfugiés déboutés du droit d'asile. Voilà. Milesker Daniel, la politique de l'éducation, Madame Véronique Charriès. Oui, on m'entend, c'est bon? Rachel Leon. Alors, en ce qui concerne les écoles, donc nous allons poursuivre la rénovation des classes de l'école du Bourg. Nous allons poursuivre l'aide aux écoles privées par le biais de subventions de fonctionnement. Et nous souhaitons mettre en place à présent un plan de végétalisation des cours d'école. Alors, c'est en cours d'étude. La priorité sera donnée à l'école de Sokoa qui a une cour côté primaire qui n'a pas du tout d'ombre pour les enfants. Donc, on est en train d'étudier ce plan de végétalisation, en particulier pour cette école. Et après, ce sera poursuivi pour les autres écoles. Nous souhaitons également améliorer les conditions de travail des agents des écoles et des cantines. Alors, par exemple, acheter des chaises légères quand elles doivent être déplacées pour faire le ménage, les munir de chariots roulants pour qu'elles aient moins à se baisser, etc. Enfin, plein de petites choses comme ça pour améliorer leurs conditions de travail. Et puis, nous souhaitons poursuivre également l'enseignement musical dans les écoles. Pour l'instant, ce sont les CE2, CM1, CM2 qui en bénéficient. Et nous souhaitons en faire bénéficier les enfants dès la petite section. Voilà pour moi. Milesker, Véronique, on poursuit avec les jeunes. Gaëlle. Oui, bonsoir à tous. Donc, pour ce qui concerne la partie jeunesse, vous parlez du centre de loisirs. En tout premier lieu, pour lequel l'accueil n'a cessé de croître depuis de nombreux mois. Il y a actuellement une capacité d'accueil de 118 jeunes le mercredi et pendant les vacances. Le taux d'encadrement nous permet actuellement d'accueillir jusqu'à 118 jeunes. Nous avons d'ailleurs expérimenté une semaine d'ouverture sur les vacances de Noël 2022. Et face à l'engouement rencontré, nous prévoyons de reconduire ce dispositif pour l'année 2023. Les travaux d'extension aussi du centre de loisirs devraient pouvoir démarrer cette année, ce qui va permettre de réaliser un nouvel espace qui sera dédié au guichet famille. Voilà. C'est ce que nous souhaitons. Vous dire aussi que le conseil municipal des enfants est maintenant bien installé dans son fonctionnement. Nous avons créé des commissions de travail pour que les enfants puissent travailler et réfléchir en plus petits groupes
afin de déterminer vraiment le projet vers lequel ils se destinent ensemble. Donc, de nouveaux projets sont en cours de réalisation pour offrir différentes animations aux jeunes du Rugne. Par exemple, il est prévu de travailler avec la commission, donc Annie l'a dit, égalité femmes-hommes. Il est prévu aussi de définir un projet avec l'équipe Montagne. Il est prévu aussi de réaliser une soirée concert. D'autres projets phares du service sont ou seront reconduits pour cette année 2023, tels que Mendiane et le Garikin, le soutien scolaire, bien évidemment, à travers le dispositif du classe, le séjour au ski qui vient de se dérouler. Voilà. Et puis, on le verra un peu plus tard au niveau des délibérations, mais la définition du nouveau projet de service devrait permettre aussi d'affiner les projets d'activité qui seront proposés à nos jeunes sur la commune. Voilà. Je vous remercie. Milechker Gaël, on passe à la petite enfance et au soutien à la parentalité. Sandrine. Merci Philippe. Vous le savez, au travers des conventions passées avec les associations actrices dans l'accueil du jeune enfant, notre commune soutient les professionnels et structures de la petite enfance. Pour autant, nous avons fait le constat depuis le début de notre mandature d'un défaut de coordination entre ces structures et les projets et d'un défaut d'analyse des besoins à l'échelle de notre commune. C'est pour répondre à cette mission que nous avons recruté au CCAS une coordinatrice petite enfance et parentalité, qui arrivera dès lundi au CCAS. Avec cette création de poste, nous donnons au CCAS une nouvelle compétence, la compétence petite enfance et soutien à la parentalité. Vous dire aussi que dans le courant de l'année 2023, nous travaillons déjà actuellement pour la reprise en régie du relais petite enfance. Relais petite enfance aujourd'hui qui est géré par une association pour laquelle nous avons passé régulièrement des conventions, association Céleste. Le relais petite enfance, c'est le lieu qui notamment permet l'information aux familles sur les structures d'accueil du jeune enfant, mais aussi le soutien à la professionnalisation des assistants maternels. Donc voilà, normalement, décembre 2023 verra aboutir ce projet de reprise en régie municipal du relais petite enfance en coordination avec Biriatou et Andaï et en accord, bien sûr, avec la caisse d'allocation familiale. Vous dire aussi que la coordinatrice petite enfance va œuvrer avec les structures d'accueil du jeune enfant dès son arrivée pour la création d'un guichet unique qui permettra de centraliser les demandes d'accueil sur Urugne. Aujourd'hui, ça nous fait vraiment défaut et ça fait défaut à une réponse un peu coordonnée et une réponse de qualité aux demandes des parents qui, vous le savez, est importante sur Urugne puisque notre population s'accroît et que le nombre de naissances reste plutôt positif à Urugne. Dans le même temps, nous allons diversifier les propositions de soutien aux parents via des actions soit reconduites, soit nouvelles, comme le ciné-rencontre, l'atelier cuisine. Gaël a parlé de Mendiane El Garikin. La journée des familles en mai également. Vous dire aussi qu'en 2022, il y a eu un questionnaire qui a permis à 230 parents de s'exprimer sur leurs besoins et sur la réponse à leurs besoins en matière de services petite enfance en vente sur la commune et de soutien à la parentalité. Voilà, je vous remercie. Milechker Sandrine, on passe au senior, l'accueil bienveillant des seniors. Daniel. Comment œuvrer pour une qualité de vie à domicile tout en prenant en compte la perte progressive d'autonomie ? Quelques chiffres à l'appui, 80% des Français souhaitent vieillir chez eux. De fait, 90% des Français vivent à domicile pour 10% en EHPAD. L'année 22, je dirais, qu'a permis d'initier une réflexion sur la qualité de vie sur le territoire, de manière collective et participative. Les quatre axes d'accompagnement du senior dans la commune sont d'une part les activités du pôle de socialisation du pôle senior,
le service de transport individualisé aux seniors les plus isolés, le portage des repas et l'accompagnement social à domicile pour les situations les plus complexes. De plus, deux nouveaux projets seront mis au travail en 2023. Un lieu ressource qui s'articulerait autour de différents espaces de socialisation. L'idée principale est d'étoffer les alternatives d'accueil intermédiaires entre le domicile et l'EHPAD sur le territoire. Un centre de jour pour des personnes résidant à domicile en perte progressive d'autonomie. Le centre de jour est réfléchi avec les communes limitrophes, ainsi que les professionnels du domicile du territoire. C'est un accueil chaleureux en journée, avec un repas à midi et des activités comprises comme motricité, atelier cognitif, atelier artistique, jeux, chants, etc. Puis un habitat inclusif de 8 à 10 places qui est travaillé avec les habitants volontaires et le col sur une méthodologie participative. C'est un prototype qui pourra inspirer, je dirais, d'autres projets d'habitat partagé dans la commune. Après avoir consulté les autorités compétentes du département, les communes voisines, un comité de pilotage prend forme pour permettre le lancement opérationnel de ce projet qui se trouvera sur un terrain situé à proximité immédiate de l'EHPAD à Saucoin. Ce comité de pilotage est composé, entre autres, d'acteurs du territoire communal experts dans l'accompagnement en domicile. Et enfin, un projet autour de la prévention de l'isolement à domicile. Ça, c'est un projet européen Erasmus qu'on aimerait déposer au mois de mars 23. Voilà. Milesker Daniel, pour ma part, quelques mots par rapport donc à l'amélioration du cadre de vie et de la tranquillité dans nos quartiers, les quartiers qui sont bien évidemment des lieux très importants de notre commune, puisque nous avons une commune divisée en quartiers. Bien évidemment, des investissements récurrents, des investissements récurrents qui sont réalisés chaque année, que ce soit au niveau de voirie ou que ce soit dans l'entretien des espaces verts. Cette année 2023, on souhaiterait mettre l'accent, en plus des travaux de maintenance habituels des aires de jeu que nous avons déjà, un plan dans l'établissement d'un plan pluriannuel d'amélioration et de développement des aires de jeu qui sera réalisé donc en veillant à leur accessibilité, bien évidemment. Et tout cela en s'appuyant sur les conseils de quartier dont parlait tout à l'heure Arré, parce qu'effectivement, je crois que les meilleurs projets pour un territoire, et donc ici en l'occurrence de territoire de quartier, ne viennent que des habitants de ce quartier. Voilà, on poursuit donc avec la vie associative Arré. Soyez aussi synthétique que moi. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Alors, la vie associative vous a fait que, officiellement, on a 269 associations enregistrées à Urugne. Donc, oui, officiellement, il y a un peu moins de centaines actifs quand même. Et on est très fiers d'avoir ce nombre d'associations qui travaillent, qui s'investissent, sont presque toujours des bénévoles qui agissent dans l'intérêt public, local de la commune. Et donc, la municipalité reste fidèle pour le soutenir. Et le soutien peut se voir plusieurs formes. C'est déjà de la subvention en numéraire, donc en argent. Tout le monde pense souvent que à ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi des mises à disposition du personnel de la commune. Il y a aussi la mise à disposition de salles, et aussi le fluide qu'on utilise. Et donc, nous sommes en train de faire une réflexion combien de ça donne par association en tant que total de subvention. Mais on reste à côté de nos associations. Milesker Arré, quelques mots effectivement aussi par rapport à l'amélioration de nos relations vis-à-vis des usagers, puisque n'oublions pas quand même que nous, élus, nous sommes là quand même pour améliorer nos relations avec les usagers. Alors, si on a passé cette année 2022 à repenser notre stratégie de communication, avec notamment la création du nouveau logo qui vous a été présenté lors des vœux,
mais également stratégie de communication vis-à-vis de notre journal, magazine municipal et site internet. Trois actions, je citerai trois actions majeures à venir donc pour cette année 2023. Tout d'abord, la création d'un pôle d'accueil à la mairie et la modernisation de cette salle du conseil dans laquelle nous sommes. On en a déjà parlé aussi à l'occasion d'un précédent conseil. La création d'un nouveau service de délivrance des cartes nationales d'identité, service qui est très attendu par la population parce que, vous le savez, les délais de délivrance de ce type de documents administratifs dans nos communes voisines sont très longs. Et enfin, je dirais, et me diront certaines d'ailleurs, mise en ligne du nouveau site internet donc au courant de ce mois de mai 2023 dans le cadre de la démarche Elgar Web, donc site, nouveau site accessible et sobre donc énergétiquement. Nous poursuivons avec un thème majeur aussi, le logement, donc favoriser le logement. Marie-Christine. Bye, Mileshkar. Gawon Deneli. Donc, effectivement, favoriser l'accès au logement pour tous. Ben, tout d'abord, un constat, 20% de résidences secondaires, une hausse de 30% des prix en 2 ans. C'est alarmant, c'est connu de tous, et ça a un impact fort, surtout sur les ménages les plus fragiles. Notre objectif, c'est d'inciter à la construction de logements sociaux avec un souci de mixité sociale. Donc, différentes actions que l'on a déjà mises en place. La première, déjà en 2021, où on a fixé le seuil à 70% des logements sociaux à partir de 10 logements. On a pu, et notre maire a participé vivement sur le durcissement de la règle du changement d'usage auprès de la CAPB, avec des prises de position volontaristes. Et ensuite, en complément de ce que Daniel disait, donc on réfléchit, on travaille avec le CCAS pour développer des projets de logement inclusifs comme une alternative à l'EHPAD, que nous souhaitons et que nous l'intégrons à chaque fois que c'est possible dans les projets d'aménagement que l'on prépare sur notre territoire. Mileshker, et on enchaîne, puisque pour produire donc du logement, il faut aussi des grands projets d'aménagement, donc Marie-Christine. Bon, oui, effectivement, donc dans ces projets d'aménagement, donc tout d'abord un contexte où on a un cadre réglementaire de l'urbanisation qui nous demande de recentrer la construction, de construire dans des zones urbanisées et d'aller très 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 clairement sur une réduction de l'artificialisation des sols. Donc pour cela, Urugne doit donc projeter son développement urbain sur le quartier du Bourg et en particulier dans les zones identifiées dans le PLU qui est en vigueur. Donc pour objectif, eh bien on a comme objectif de faire un développement urbain avec la production de logements accessibles, comme on le disait, mais pas que accessibles. Il faut également que ces logements favorisent le confort de vie, le lien social des habitants, que ce soit des logements durables, qualitatifs, peu énergivores, et je pense que c'est plus que jamais d'actualité, et cela sous maîtrise d'ouvrage public. Pour cela, différentes actions. Nous avons enclenché 2 études urbaines en 2022, une sur l'OAP entre deux bourgs et une sur le cœur de bourg. Et ces 2 études ont mis en évidence que ces 2 sites étaient intimement liés et qu'il était indispensable de réfléchir concomitamment sur ces 2 parties. Inscrire de la production de logements dans un projet, il faut que ce soit plus global et que ce soit intégré sur la réflexion au niveau du territoire communal. Donc, c'est tout naturellement que nous avons eu recours donc à une procédure de ZAC que nous avons votée lors d'un précédent conseil municipal. Et je rappelle justement que dans le cadre de cette procédure de ZAC, une réunion publique se tiendra le 27 février pour expliquer à tout le monde ce qu'il en est. Et donc, cette procédure de ZAC va commencer par une concertation citoyenne. Et 2023 sera l'année de la concertation. Et je rejoins donc la démocratie participative dont Aré parlait à l'instant. Parallèlement, nous poursuivons les acquisitions foncières qui sont nécessaires pour ces projets-là. Et nous avons donc commencé, comme Monsieur le maire a pu le dire en début de séance, à repérer des espaces stratégiques, à aménager, à réhabiliter, à requalifier. Donc,
on est en train de voir, parfois par voie amiable, d'autres fois par préemption, à faire des acquisitions immobilières. Pour compléter ces actions, on a également décidé de renforcer l'aide financière pour l'amélioration de l'habitat. Nous avions donc une réunion publique le 6 février sur le PIG, le programme d'intérêt général, et la commune va venir financièrement abonder les travaux qui seront enclenchés. Voilà pour ma part. Loger, c'est important, mais la mobilité, c'est aussi important, Julie. Bien, bonsoir à tous. Le secteur des transports représente le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Et plus de 50% de ces émissions sont dues au déplacement des personnes en voiture individuelle. Alors, on le sait, de par sa géographie, la commune du Rugne est particulièrement impactée par la traversée de grandes infrastructures, type l'A63 ou la D810. Mais il y a aussi une autre caractéristique. De par l'étendue de son territoire, nous observons sur la commune un mode d'habitat plutôt dispersé et cela amplifie l'utilisation de voitures individuelles. Engagée dans la transition écologique, la municipalité se doit aujourd'hui d'agir sur les mobilités durables. À son niveau, car il faut rappeler que les marges de manœuvre de la commune sont restreintes de par le fait que une grande partie de la compétence et de la compétence mobilité en fait est transférée au syndicat des mobilités. Néanmoins, en 2023, nous pouvons dire que nous verrons la finalisation des travaux de la voie verte entre le bourg et Aulette, et également d'autres actions telles que la mise en place de vélos de service pour les agents ou bien encore l'expérimentation d'une participation financière de la commune à l'achat d'un vélo électrique seront mis en place. Comme je vous le disais, la compétence de la mobilité est détenue par le syndicat des mobilités. Néanmoins, la commune souhaite réellement porter des prises de position fortes auprès de ce syndicat pour, entre autres, la création d'aires de covoiturage sur la commune ou bien encore l'amélioration de l'offre de transport collectif et, bien évidemment, l'étude des alternatives à la route de la Corniche. Mille esker, Julie. On va passer donc au projet d'innovation économique, sociale et solidaire. Je cède la parole à Pancho sur ce sujet-là. Ah. Ora imai. Oui, rebonsoir à toutes et tous. Donc, en ce qui concerne l'innovation économique, sociale et solidaire, le fil conducteur, ça sera la proximité et, le local. Dans cette perspective, le projet de Licharitch doit devenir un lieu emblématique d'une économie sociale et solidaire. Suite à la signature du protocole avec Vinci, on va lancer dès cette année des études de faisabilité et de programmation afin de définir un contour du projet qui soit partenarial et surtout transfrontalier. Ensuite, en ce qui concerne le commerce, bon, c'est plutôt du ressort de la CAPB, mais la commune peut également agir en faveur des commerces de proximité. Je voudrais lancer à ce sujet un appel à tous les artisans et les commerçants du Rugne pour leur dire qu'il y a un site internet qui leur est dédié et je les encourage fortement à venir figurer dessus de façon à ce que tout le monde puisse prendre connaissance de l'activité économique qu'il y a dans notre village. Par ailleurs, il faut également penser à Ibardine. Voilà, la mutation commerciale d'Ibardine représente aussi un dossier structurant qui sera porté dans le cadre d'un partenariat transfrontalier avec la mairie de Béra. Il faut savoir que tous nos commerçants d'Ibardine dépendent, en ce qui concerne la fourniture de fluides, de la commune de Béra. Donc, on va établir avec cette commune-là des liens renforcés pour assurer la sécurité au niveau des commerces qui sont là-haut. Une modification du PLU va être nécessaire pour cette année et sera afin de mener ce projet à bien. Ensuite, la mairie va s'attacher également à accompagner l'EJCO. Hein, vous savez qu'il est en plein développement sur la communauté d'agglomération. Donc, la commune va œuvrer également pour accompagner ce développement. Ensuite, on a l'intention de devenir une référence sur le territoire en ce qui concerne l'économie circulaire, c'est-à-dire le réemploi des matériaux et des ressourceries en lien avec la construction de la nouvelle déchetterie. Et enfin, dans un souci d'engagement exemplaire, la ville va se saisir de la commande publique comme un levier privilégié de soutien à un développement local responsable, toujours dans ce fil conducteur local et proximité.
Milishker Pancho, pas de vie sociale sans culture, Harry. Milishker, on a déjà parlé de transition, de mobilité écologique, mais une autre partie de la transition qu'on a engagée vis-à-vis de nos urinières, c'est aussi la transition culturelle. La culture est avant tout un regard sur la société, un miroir ce que nous sommes, un moyen de questionner nos idées et remettre en cause notre perception du monde. Ça se traduit déjà en 2022 avec des artistes qui ont exposé à Poista, des expos photos qu'on va continuer, comme les artistes aussi, mais aussi avec un spectacle, une pièce de théâtre, Laramie, qu'on a fait. On va développer encore plusieurs festivals aussi en 2023. C'est aussi un moyen pour faire rayonner Urugne, pour sortir d'une vie qui est un peu endormie. Et donc on va passer par le festival d'un photoclimat. Ce sera une itinérance à plusieurs quartiers. C'est avec un festival de chant féminin, de chorale féminine, de cinéma en plein air, parce qu'on veut développer la vie du bourg, mais aussi la vie culturelle des quartiers. Donc on va présenter la culture dans le quartier, c'est le but. On va continuer avec un deuxième festival de cirque, après une première fait qu'on a fait ça en juillet, ici devant Poista et sur la place de la mairie, avec un grand succès. Donc on va développer ça. Cette année, on va faire quelque chose un peu plus important en collaboration avec Béra et Biriatou. La culture, je pense que Prudent a déjà parlé de ça. On va aussi développer ensemble la culture basque avec Eusko Iskaskunza. Et on va travailler aussi ensemble avec l'Institut culturel basque et avec l'AGLO aussi. Voilà, c'est le projet. Merci. Oui, 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 bien sûr. Moi, une petite réflexion qui va vous paraître anodine à vous, mais qui ne l'est pas pour moi, excusez-moi. Mais voilà, je voulais juste qu'on corrige, c'est un festival de chant féminin et pas de chant choral féminin. Alors, ça vous paraît peut-être idiot comme précision, mais voilà, je ne voudrais pas que dans l'esprit des gens, ils pensent qu'ils vont voir des chorales. Non, c'est un festival de chant féminin. Le chant féminin sera représenté sous toutes ses formes. Pas sous la forme chorale. Il y aura des voix seules, des solos, des duos, des petits groupes en rock traditionnel, etc. Mais il faut enlever de votre esprit que ça sera du chant choral. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Milishker, la précision était d'importance. Se loger, se travailler aussi, mais se nourrir aussi sainement, et pour ça, nous avons besoin, c'est un autre axe majeur de nos engagements vis-à-vis des Urugnards, de préserver nos terres agricoles pour tendre vers la souveraineté alimentaire, Marie-Christine. Oui, effectivement, il existe au Pays Basque de nombreuses initiatives, aussi bien dans le milieu agricole que dans les collectivités, pour tendre vers la souveraineté alimentaire. Et Urugne doit être une commune exemplaire dans ce domaine. Le fait d'être sur deux sites exceptionnels, Natura 2000 côté montagne et la Corniche côté mer, nous positionne naturellement dans cette démarche. Donc nous avons entamé un travail de réflexion sur une production agricole en maraîchage sur le site de Berrueta avec la CAPB. Nous avons également bien avancé sur le travail des baux communaux avec le recensement des utilisateurs et une rencontre prochaine avec eux pour leur proposer de faire un travail en partenariat avec la commune pour voir ces exploitants comment eux aussi, à leur niveau, ils peuvent nous faire partie de cette démarche pour tendre vers la souveraineté alimentaire. Ensuite, nous avons, je ne vais pas le redire, mais il y a eu un nouvel appel à de prestataires pour les cantines qui tenaient compte
un nouveau cahier des charges en cohérence avec la loi Egalim. La commune a mis également une ligne budgétaire pour faciliter des actions de sensibilisation auprès des enfants, que ce soit dans les écoles publiques et privées, sensibilisation sur l'alimentation, sur le gaspillage alimentaire. Et je rappelle que entre le 6 et le 12 mars, ce sera la semaine de l'alimentation durable et locale à Urugne, avec une participation très active des écoles publiques et privées et un service sport et jeunesse de la ville qui fait preuve d'une grande imagination pour la création d'ateliers destinés aux enfants. Le pôle senior et la collaboration d'Antoine Chépy seront aussi de la partie avec le restaurant associatif à Rotsenia et ils seront tous partie prenante au cours de cette semaine. Nous conclurons le dimanche par une sopa dance et je vous invite tous à twister dessus. Et ensuite, nous avons donc un appui à ce que Daniel disait tout à l'heure. Nous sommes en train de réfléchir donc sur la sécurité sociale alimentaire, une réflexion qui est amenée donc avec le CCAS et également avec des personnes de la société civile pour voir comment on peut traduire cette sécurité sociale alimentaire sur notre commune. Voilà. Milechker. Nous avons la chance d'être dans une commune qui dispose de sites remarquables, la Corniche, mais pas que, la montagne aussi. Quelques mots sur la préservation de la montagne, David. Oui, Gawon. Gawon, donc une des richesses de notre commune, c'est, comme tu viens de le dire, c'est les milieux naturels, donc avec 1000 hectares. Notamment sur le site Choldo-Cogaina et la Rune, et aussi sur la Corniche. On m'entend pas ? C'est bon ? Bon, je parlais fort. Et donc, dès le départ, nous avons voulu travailler pour des outils pour pouvoir concilier à la fois la préservation de la biodiversité de ces milieux, mais aussi la valorisation de ces milieux, notamment par l'agriculture, valorisation qui doit tenir compte d'une fréquentation qui s'amplifie d'année en année sur ces sites, notamment à la montagne. Voilà. Ces outils, on les a voulu en partenariat avec des partenaires comme le CPIE et la CAPB. Et le dernier outil dont on s'est doté, qui est très important pour nous, donc c'est la création de l'équipe milieu naturel. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Il s'agit de trois agents. On a la chance qu'ils soient extrêmement motivés et sensibilisés, notamment aux thèmes environnementaux. Voilà. Et donc, ces trois agents ont déjà commencé leur travail au sein du CTM. Les premiers travaux que l'on a pu voir, c'est l'aménagement du site de la redoute du côté d'Herletaco-les-Pois. Le chemin de Sanson, ils ont commencé à évacuer des bois morts à travers des chemins, donc réhabilitation des chemins de randonnée. Et ils ont aussi commencé à créer des pare-feux. Alors, en plus de ceux réalisés par le girobroyage, ils ont été sur des zones plus difficiles d'accès encore pour réaliser des pare-feux de manière manuelle. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous apportera beaucoup à toute la population. Donc, comme je l'ai dit, du côté du pastoralisme, mais aussi du côté du loisir, par la présence en montagne et par les actions qui vont leur être conférées, parce qu'on va créer pour ça une feuille de route ce printemps, pour les actions, pour hiérarchiser un peu les actions sur ces milieux naturels. Un petit détail aussi à terme, on travaille pour faire reconnaître la commune en zone montagne comme toutes les autres communes du Pays Basque. Et sauf Urugne et peut-être une ou deux autres, mais enfin, on est assez exceptionnel de ce côté-là aussi. Merci. Tout à fait, David, avec cette particularité. Effectivement, on touche la mer, mais également la montagne. Or, on est concerné par la loi littorale et on n'est pas effectivement concerné par la loi montagne, ce qui, à mon sens, marque une certaine incohérence. Bon, enfin. On a parlé tout à l'heure de l'envolée des prix de l'énergie, donc ce qui doit nous amener effectivement à travailler sur la sobriété énergétique, Julie, n'est-ce pas ? Oui.
Alors, sur ce sujet, en fait, dès 2022, donc avant même l'envolée des prix de l'énergie, la commune d'Urune s'était engagée dans la réalisation d'un bilan carbone qui permet de comptabiliser toutes les émissions de gaz à effet de serre dont dépendent les services de la collectivité. Quand on parle des services de la collectivité, certes, c'est les agences, c'est la mairie, etc., mais pas que, ça peut être aussi le centre de loisirs et donc toute l'offre en fait, de services publics que peut proposer la commune. Un bilan carbone, ça permet non seulement de définir la stratégie à adopter pour être à la hauteur des enjeux climatiques, on parle entre autres des accords de Paris qui visent la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais ce bilan carbone permet aussi de connaître précisément l'ampleur des efforts à fournir par ordre de priorité. Cette démarche donc, de bilan carbone ou également bilan vert est un acte très concret pour s'engager dans la résilience du territoire. Aujourd'hui, un plan d'action est en cours de construction avec l'ensemble des agents. Mais voilà, j'ai envie de citer quelques premières mesures phares qui ne sont peut-être qu'anecdotiques, mais qui montrent déjà en fait un premier effort. Ça va être le renforcement des éco-gestes. On parlait tout à l'heure avec les associations, mais il semble rien. Mais voilà, sensibiliser aussi les associations au fait que ben, quand on prête une salle, ce n'est pas uniquement la salle, mais c'est aussi de l'énergie. C'est éteindre la lumière ou éteindre son écran d'ordinateur, mais comme on peut le faire à la maison, ça semble rien, mais c'est énorme. On travaille aussi sur le remplacement de carburants fossiles par du bioéthanol pour les véhicules de la ville. On travaille aussi à l'augmentation, par exemple, des protéines végétales pour les cantines. Donc voilà quelques exemples. On vous en dira plus aussi au fur et à mesure en fait, de la construction de ce plan d'action pour essayer de faire au mieux et de viser cette neutralité carbone pour 2050. Milechker, Julie, donc pour mettre en place tous ces projets, les poursuivre et les nouveaux projets, on a besoin d'agents qui se sentent bien dans leur peau, dans leur travail, d'où une politique ressources humaines ambitieuse, Marie-Chou. Oui, donc avec trois axes. Tout d'abord, l'amélioration des conditions de travail de nos agents. La récente réforme du régime indemnitaire de la collectivité permet donc de mieux valoriser aujourd'hui les fonctions des agents. Nous avons mis en place une nouvelle organisation à propos des 1607 heures qui donne plus de souplesse à nos agents et qui leur permet donc de mieux articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et très récemment, nous avons revu les conditions de participation de la collectivité à la protection sociale. Ces éléments bénéficient bien évidemment au premier plan aux agents, mais comme effet induit, ça rend également notre collectivité plus attractive pour les recrutements. Le deuxième axe, c'est l'enjeu des compétences et la politique de formation. Un plan de formation triennal va être présenté en avril aux délégués du personnel et pour être après donc délibéré en conseil municipal. Il sera élaboré à partir des besoins émanant des chefs de service, mais également des agents, selon des désirs qu'ils ont formulés lors des entretiens professionnels. Et enfin, dernier axe, un dialogue social rénové grâce à la mise en place du comité social territorial, le CST, qui vient remplacer l'ancien comité technique et l'ancien comité hygiène, sécurité et conditions de travail. La municipalité reste attachée à mener tous les changements et projets structurants dans le dialogue, l'échange et le respect de chacun. Bien, merci Marie-Chou. Je dirais pour conclure juste cette présentation et avant bien évidemment d'ouvrir le débat, peut-être résumer en ces mots. André nous a décrit le contexte dans lequel nous avons des marges de manœuvre limitées, un constat qui peut paraître inquiétant, et on a effectivement plein d'incertitudes. Tout cela pourrait nous amener effectivement à ralentir notre action et à ralentir nos politiques publiques. Or, vous avez pu quand même constater, en écoutant toutes ces politiques publiques que nous avons à mener aujourd'hui, qu'il y a quand même beaucoup encore d'actions à poursuivre et à mener. Et donc, on doit, je crois, malgré tout, s'inscrire dans cette politique volontariste. Et je dirais peut-être que cet exercice difficile qui va
qu'on va devoir faire les prochains jours et les prochaines semaines pour élaborer ce budget 2023 devra reposer, je dirais, sur les cinq principes suivants que je vais énumérer. Le premier, notre volonté, et c'est important de le dire dès aujourd'hui, de stabiliser les taux de fiscalité. Aujourd'hui, le seul taux de fiscalité sur lequel nous avons encore une marge de manœuvre, nous, communes, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties. Aujourd'hui, nous l'affirmons, nous n'avons pas la volonté d'augmenter ce taux. On ne va pas encore pêcher sur le pouvoir d'achat qui est déjà très contraint, je le disais tout à l'heure en propos introductif, des Urugnards. Donc c'est une décision politique qu'on va assumer et qui va nous amener à faire d'autres recherches de recettes et que on doit absolument maintenir ce pari de l'investissement pour, je le disais tout à l'heure, répondre à ces engagements de transition écologique, sociale et culturelle sur lesquels nous avons pris des engagements très clairs vis-à-vis des Urugnards. Nouvelle recette à trouver, ce qui va nous amener très probablement à être meilleurs aussi dans la recherche de financement extérieur et donc être meilleurs dans la recherche de nos partenaires qui pourront financer nos projets. Et André le disait, mais je le rappelle, c'est important que nous aurons un effort considérable à faire dans la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement dans un contexte, je le disais, d'incertitude liée à ce contexte inflationniste. Et vous l'avez compris, je pense que le levier majeur pour trouver des recettes, ça va être l'emprunt avec les contraintes qu'André rappelait tout à l'heure. Voilà en tout cas le cadre dans lequel nous nous proposons d'avancer et d'élaborer ce budget de l'année 2023. Je vous propose désormais d'ouvrir le débat. Donc, qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Gavilan, allez-y, vous ouvrez la parole. Pardon. J'ai tout lu. Hein. J'ai tout lu. Pour deux raisons, c'est que ça m'intéresse déjà dans un premier temps et qu'il y avait moins de pages que l'année dernière, donc c'est plus facile à lire. Donc j'ai lu la crise en Ukraine, j'ai lu la crise Covid, j'ai lu l'inflation, le record de chaleur, le prix du gaz et j'en passe. Ce rapport est bien plus argumenté sur la situation nationale et internationale que sur la situation budgétaire d'Urugne et son avenir. Beaucoup de textes, un catalogue d'intentions dont on sait qu'il ne sera pas respecté. Si je me réfère aux chiffres avancés, les charges de fonctionnement augmentent autant que les dépenses d'investissement peinent à décoller. Je constate que les charges à caractère général ont baissé trois années de suite, 2018, 2019 et 2020. Depuis, elles sont reparties à la hausse pour atteindre des sommets. 2023 sera un exercice difficile. André l'a rappelé, ce ne sera pas de votre fait. Mais je regrette que vous ne l'ayez pas anticipé. Les charges de personnel. Les charges de personnel représentent 58% du budget. Alarmant quand on sait que ce pourcentage était de 54% l'an passé, sachant que la norme est de 50% à peu près, et qu'il nous a été clairement annoncé que les recrutements allaient continuer, plus 13% d'augmentation prévue en 2023. Pour ce qui est des recettes, nous nous en tiendrons à votre exposé. Je n'ai pas de remarque particulière à formuler. Je note toutefois que les Urugnards propriétaires de résidences secondaires peuvent souffler, car s'il est possible d'augmenter les taux de la taxe d'habitation, c'est le taux qui les concerne, il faudrait augmenter celui de la taxe foncière dans les mêmes proportions. Nous enregistrons donc avec satisfaction que les taux d'impôt n'augmenteront pas en 2023. Je souligne également que les bases d'imposition vont augmenter de 7,1%. C'est un taux jamais atteint depuis plus de 40 ans, comme ça a été dit précédemment pour d'autres chiffres. Pour un indice d'augmentation INSEE de 5,9% en 2022. Donc la marge est quand même plutôt positive. Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, je constate que nous parlons plus du stationnement payant sur quoi, et plus généralement à Urugne. Le plan pluriannuel d'investissement.
à mon sens, beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'incohérence. Cela fait un an, vous nous promettiez 6 millions d'investissements en 2022. Aujourd'hui, sans que nous puissions le contrôler, vous annoncez 3,8 millions. Rappelez-vous, en 2022, c'était l'acte 2 du mandat. Dans le même registre, les prévisions d'investissement du ROB 2022, le rapport d'orientation budgétaire 2022, ne correspondent plus à celui que vous nous avez présenté aujourd'hui. Vous avez réduit la voilure et malgré cela, je ne prends pas beaucoup de risques en annonçant que vous ne réaliserez pas vos objectifs. Sur la foi de vos chiffres, il faudra arbitrer car au moins 8 millions d'euros ne sont pas financés. Au sujet de l'incohérence, je pointe la création d'un pump track, je pense à Sokoa, et en parallèle, vous insistez sur l'amélioration du cadre de vie et la création du lien social dans tous les quartiers. Vous avez dit, c'est une condition sine qua non de la préservation de la tranquillité publique. Arrêtez ce pump track à cet endroit, les riverains n'en veulent pas et ils seront déterminés. Vous proposez de consulter systématiquement les riverains d'un quartier sur les investissements de proximité, faites-le. Enfin, pour terminer, je regrette le peu de considération au chapitre du logement pour tous. On parle encore d'études, mais toujours rien de concret. Vous vous êtes engagé auprès de M. le préfet à réaliser 325 logements sociaux sur la période 2020-2022. Combien sont réalisés ou en cours de réalisation? Personnellement, j'en ai compté 2. C'est maigre, voire insignifiant. Pour mémoire, je me plais à le rappeler, sur la période 2017-2019, 116 logements sociaux ont été livrés et 67 ont été mis en chantier. Mais je pense qu'il ne faut pas penser qu'aux logements sociaux. Il faut également proposer des biens en accession maîtrisée pour les classes moyennes et supérieures. Le BRS est un très bon produit, mais il faudra se rappeler qu'à titre d'exemple, un couple qui prétend à une acquisition ne doit pas dépasser 33 000 euros de plafond de ressources, moins de 1 400 euros par mois chacun. Voilà ce que je voulais dire. Et bien sûr, je peux répondre à ce que vous souhaitez. Merci, Francis. On va prendre toutes les remarques dans un premier temps, puis on va essayer de répondre après. Monsieur Levrérot, peut-être on va faire dans l'ordre, puis après... Oui, enfin, juste une remarque en complément de ce que dit Francis. Je n'ai pas entendu de politique publique en lien avec l'économie classique. C'est regrettable, enfin, à ce sujet, où nous en sommes de la zone artisanale de Berroueta, par exemple. Enfin, j'ai rien entendu ou j'ai zappé, enfin, mais ça m'a pas semblé. T'as pas lu? J'ai pas lu. Ça y est pas non plus. Bon, ça y est pas non plus, bon. Monsieur Telecia. Alors, je me souviens... On m'entend? Je me souviens l'an dernier d'avoir découvert les grandes lignes du ROB sur les pages de Sud-Ouest, ce qui m'avait un peu agacé et vexé. Et je vous avais interrogé sur la place d'un élu de l'opposition dans votre vision de maire. Je vous remercie cette année d'avoir respecté un protocole qui permettra de rendre publiques vos orientations à l'issue d'une concertation républicaine. Cette année, ce document, dans sa qualité de rédaction et dans le changement total de structuration, pour la troisième année, nous avons un document encore extrêmement différent de l'année précédente. Ce document démontre un travail de rédaction ambitieux et sérieux. Je vous en remercie. Toutefois, il est intéressant également de regarder l'évolution du classement des politiques publiques entre l'an dernier et cette année. L'an dernier, le podium était composé, un, des grands projets d'aménagement, donc le logement, projet phare de votre programme. Deux, les mobilités durables, avec la place de la voiture. Alors, on n'a pas oublié le débat houleux sur le stationnement payant. Et trois, la stimulation de projets économique, à cette époque, le développement économique était encore affiché. Cette année, les grands projets d'aménagement ont été renommés. Il s'appelle « Engager les grands projets d'aménagement ». Il passe de la première place à la 13e place. Le changement de libellé et la position reflètent la difficulté à déployer cette politique du logement qui devait être le marqueur du changement entre cette mandature et la mandature précédente. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité quand on arrive en responsabilité parce qu'on est confronté à une réalité administrative et temporelle. Moi, je peux comprendre qu'il faille envisager certains projets comme cela sur des temps longs. Et vous devez vous demander si la majorité qui vous succédera respectera les projets à temps long. Et vous, avez-vous respecté le travail de vos prédécesseurs?
je pense à Berouetta en particulier, c'était 8 ans de travail acharné. En 2, le chapitre des mobilités durables. Il passe de la 2e place à la 14e place. Et cela explique, et je le regrette, hein, que, hormis la description des travaux de la piste cyclable entre Le Bourg et Aulette, le document liste des grands projets sans apporter de précision ni même l'état d'avancement. Alors, tu l'as cité, hein, l'alternative à la route de la Corniche, les transports en commun en cours de négociation avec le syndicat des mobilités ou des aires de covoiturage. On est d'accord que dans ce contexte, on en a discuté en début de conseil, les gens ont besoin d'alternatives efficaces à des déplacements du tout voiture. Enfin, à la 3e place, l'an dernier, nous avions la stimulation de projets économiques qui est passée à la 15e place cette année et qui s'appelle maintenant « Stimuler les projets d'innovation économique, sociale et solidaire ». Urune doit devenir, je cite, « une référence, un symbole, etc., etc. » dans l'innovation, la responsabilité, la solidarité, l'économie circulaire. Je crois que nos entreprises et nos artisans locaux apprécieront l'image qu'on leur donne. Je voudrais qu'on invite de caricaturer nos entreprises et qu'on les écoute. Pensez-vous que nos artisans ne contribuent pas à la relocalisation de l'activité ? Dans la réalité, une entreprise sociale doit être jugée sur la gestion de son personnel, une entreprise solidaire dans sa contribution au territoire. Et nos entreprises ont un rôle tellement important dans le financement des associations ou dans la réduction des émissions de CO2 quand elles sont installées sur notre territoire. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le maire qui bloque l'installation des entreprises à Berouetta 2, qui devient le frein principal du développement à Urugne d'une économie sociale et solidaire. Pour autant, la dimension ESS de l'économie est importante. Et d'ailleurs, Pancho, je t'invite à venir le 23 février prochain à Elizondo pour participer au premier forum transfrontalier de l'économie sociale et solidaire sur l'économie transformatrice. Cette économie productive qui a permis la création des pépites du Pays Basque, je pense à Sokoa, Alki, Coop Électronique, etc., et qui a permis aux jeunes de rester au Pays Basque. On ne parle pas que de recyclerie. Vous avez le projet de créer un forum de l'emploi, comme les grandes villes de la côte basque, et plus modestement, comme Bidar. Je vous rappelle que Bidar a une zone d'activité de 13 hectares et que son extension de 10 hectares est en cours. Urune devrait s'en inspirer. Je suis, comme l'an dernier, sensible au travail, au bon travail effectué par un certain nombre de politiques, hein, les politiques sociales en faveur des anciens, des jeunes, des publics en difficulté, ou la commission sur l'égalité hommes-femmes. Je pense aussi au travail fait en culture, dans le champ, le sport, l'euskara, et plus globalement en termes de développement durable, et notamment ce travail de décarbonation et de réflexion qui est en cours. Alors, mon rôle d'élu d'opposition, je rappellerai que vous êtes aussi confronté à une difficulté dont vous ne parlez pas. C'est l'animation des comités de quartier, à qui vous avez promis beaucoup et qui sont aujourd'hui frustrés de cette animation. Il faudra cette année montrer plus de présence. Je me permets également de vous inviter à mieux utiliser Urugnan Bici, voilà, pour mettre en valeur un tissu associatif et économique à Urugne, des gens qui font Urugne et qui font d'Urugne une commune dynamique, sociale et solidaire. Merci. Merci, M. Telecia. Madame Izaguirre. Oui, alors en complément de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, il y a quand même une augmentation de 7,1% de la base de la taxe foncière. Voilà, c'est faux de dire qu'il n'y aura pas de hausse de la fiscalité en 2023. Quand même. Non ? Pas de hausse des taux d'imposition. Plus 49% de dépenses de fonctionnement sur la durée du mandat entre 2021, premier budget, et 2026. Pour uniquement 20% de recettes de fonctionnement, plus 170% de dépenses d'investissement pour moins 6% de recettes d'investissement. Et il va falloir voilà, création de besoins de financement qui n'existent pas jusque-là à partir de 2023. Ensuite, il y a un manque énorme sur la communication. Par exemple, on a appris qu'il y a eu un séminaire de la démocratie participative qui s'est tenu le 20 décembre
avec élus, habitants et agents de la mairie, pour la mise en place de nouveaux conseils de quartier. On n'a pas été informés. Voilà, c'est vraiment l'information et la communication aux citoyens sont les fondements du fonctionnement démocratique d'une collectivité. Ensuite, je fais très vite, hein, création de nouveaux sites internet en mai, où il faudrait que toutes les infos soient répertoriées quand même dedans, dans ce site, comme la réunion qui a eu lieu la semaine dernière sur les logements, la réhabilitation et tout ça, un compte rendu, enfin, informer tous les gens qui n'ont pas pu venir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Favoriser l'accès au logement pour tous, toujours aucun objectif chiffré, que des constats généraux. Le plan pluriannuel sur les investissements, on a des chiffres un peu plus qui sont apportés. 1 million pour les chars riches, 1,7 million au total, ça se précise. Projet de construction d'un nouveau cinéma. Ce n'était pas la construction de nouveaux cinémas, c'était certainement les cinémas à ciel ouvert. Création d'une médiathèque pour 1,56 million. Création d'une école de cirque, création d'un gastéché pour 400 000 euros, création d'une cuisine centrale pour 1,5 million, bon, ça on en a déjà parlé, mais toujours un projet. Uniquement 500 000 euros en 3 ans pour les logements, chiffres qui sont assez bas, quand votre projet est quand même axé sur le logement pour tous. Et voilà, je terminerai par ça. Monsieur Fourcade. Oui, je vais essayer de faire très vite. Moi, ce qui me frappe plus encore que l'année dernière, peut-être, c'est la déconnexion que j'observe entre les présentations que chacun d'entre vous a faites, qui montrent de l'enthousiasme, de l'énergie, des idées, des projets, beaucoup de projets. Presque tous, vous avez utilisé des mots de type « on va renforcer ceci, on va augmenter cela ». Et en préambule, on a eu une présentation d'André qui nous a quand même alarmés, pas mal, et de façon tout à fait justifiée. Après une année 2022 qui se prolonge sur 2023 avec des taux d'inflation qui n'étaient pas prévisibles et qui sont assez dramatiques, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion. Donc, et j'ai l'impression qu'en tant qu'équipe municipale majoritaire, vous êtes 25 personnes, je crois, environ... à travailler sur ces sujets, sans remettre en cause du tout la qualité de votre travail et de votre motivation. J'ai l'impression que vous allez devoir faire, dans les semaines qui viennent et avant le vote, un gros travail d'arbitrage, un gros travail de priorisation. J'ai entendu une fois le mot « hiérarchiser » parmi vos présentations. Je crois que c'est important de le faire pour le bien de tous, y compris le vôtre, parce que mener de front tous ces projets... C'est beaucoup de dispersion potentielle qui peut se faire, beaucoup d'énergie peut-être gaspillée aussi, si on n'arrive pas à les mener à bien. Et dans une période où on n'est pas sûr des recettes, on n'est pas sûr de l'inflation, sauf qu'elle est très importante, j'ai l'impression qu'il faut, se fouetter un peu et s'obliger à être plus raisonnable quelquefois. Et à se dire, bon, on va se centrer là-dessus. Et il y a des choses qui peuvent attendre. Il y a des choses peut-être plus symboliques qui peuvent attendre aussi un peu plus. Il y a des choses qui ont un impact plus important sur la population avec un coût inférieur et qu'on va peut-être mettre en priorité, etc. Ce genre de démarche, mettre des critères un peu rationnels, mettre des chiffres pour s'obliger à quelquefois ralentir. Oui, mais ralentir dans la forme, dans la présentation, ça ne veut pas dire ralentir l'effort. Si on met plus d'efforts sur moins de projets, on peut aussi aller plus vite sur ces projets-là, et quelquefois pour un moindre coût. Donc c'est un gros travail, mais je vous invite vraiment à l'engager, et pourquoi pas avec certains d'entre nous sur certains projets. Il y a de la priorisation à faire, voilà, c'est mon message. Merci, M. Fourcade. On va commencer peut-être à apporter quelques éléments de réponse, peut-être en commençant par André, sur quelques chiffres que tu as entendus, qu'il faut peut-être rectifier. Loin de moi, l'idée de vous. Loin de moi, l'idée de vouloir polémiquer, parce que ce qui a été dit par certains, notamment par Francis, est exact, et je ne vais pas le nier. Simplement, je crois que pour la bonne compréhension... il faut amener à certains chiffres qu'on avance les explications qui vont bien. J'ai entendu, et c'est vrai,
que nos charges de personnel vont représenter bientôt 58% de nos charges totales de fonctionnement, alors qu'elles étaient à 50% il y a 3 ans. Incontestable. Cependant, il faut rendre à ces 50% la vraie valeur. Et je m'explique. Quand vous avez dans votre commune du personnel qui fait plus de travaux en régie qu'ailleurs, quand vous avez du personnel, par exemple, qui est du personnel de maison de retraite, du personnel de crèche, il est communément admis que ce chiffre de 50%, qui est une référence, dépasse largement ce chiffre. Et c'est ce qu'on peut constater dans des communes voisines, Andaille et Saint-Jean-de-Luz, qui ont du personnel en stationnement, en crèche ou dans d'autres services comme ceux que je viens de citer, ben, ils dépassent largement les 50. Deuxième point, se souvenir qu'en 2021, alors que le personnel de l'école de Socois était sous la coupe de la commune de Cibourg, nous avons décidé que ça changerait et que ce serait dorénavant sous la coupe du Rhône. Résultat, 4 personnes embauchées par la commune du Rhône qui font 3 points supplémentaires sur ce fameux taux de 50%. Donc on n'est plus à 50, par l'effet naturel de ce recrutement, on est à 53. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ce qui ne transparaît pas là, c'est que nous avons des recettes de fonctionnement que nous facturons au syndicat des écoles qui ne viennent pas en déduction là, elles sont dans une autre ligne comptable. Premier point. Deuxième point, pour que tout le monde comprenne bien. En 2007, donc il y a 2 mandats et demi, Urugne comptait 7 759 habitants et 108 agents communaux, soit un agent pour 72 habitants. En 2022, vous me faites grâce des quelques habitants que j'arrondis, Urugne compte 11 000 habitants et 146 agents, dont 13 au CCAS. Et j'y reviendrai dessus. Ce qui, pour 11 000 habitants, fait 75 habitants pour un agent. Je vous laisse apprécier entre les 72 d'il y a 15 ans et les 75 d'aujourd'hui. OK ? Je pense que de ce côté-là, on a redressé une courbe d'un personnel qui était peut-être en sous-effectif. Sur un plan plus comptable, les charges de fonctionnement, plus globales, hein, là j'intègre le personnel, puis les charges à caractère général. En 2018, au budget, en coûte 860 euros de fonctionnement par habitant, total, toutes dépenses confondues. En 2022, 864 euros, soit 4 euros de plus pour un écart de 5 ans. J'estime que le coût de la vie sur ces 5 ans, si j'intègre 2022, il a dû se faire à peu près plus 11 ou plus 12. D'accord ? Dont un impact significatif sur les salaires. Enfin, et je terminerai sur ce point, 492 euros par habitant de dépenses de personnel pour Urugne. Pour les communes de même strate au plan national, on est à 672, 44% de plus. Voilà ce que je voulais répondre sur le point de ce fameux indicateur des 50%. Merci. Oui, rapidement, oui. Oui, oui. Synthétique. Très bien. Comme on l'a été. Non, je vais répondre sur les vraies valeurs. Quand je reparle des 58%, c'est 2022. Ça veut dire que 2023, forcément, avec la progression à plus de 10%, on va dépasser 58%. Là, on arrive carrément sur des taux qui ne sont pas à terre, même côté Cibourg et Saint-Jean-de-Luz. Hein. Ensuite, André, tu as la mémoire sélective. Une mémoire sélective, ça veut dire quoi ? Le CCAS, tu te rappelles du CCAS ? Qui c'est qui paye le CCAS ? Qui c'est qui payait le CCAS ? Et qui c'est qui le paye maintenant ? J'ai intégré dans les 146 personnes les 13 du CCAS.
Il n'y a pas de souci. Qui paye maintenant? Les fiches de paie sont établies au niveau du CCAS. Dans le CCAS. Bien sûr. Donc, mais quand on parle de pourcentage de charges de personnel sur le total du budget de fonctionnement, si on avait gardé le CCAS, où est-ce qu'on serait là maintenant? J'ai fait une comparaison. Non, mais tu ne me réponds pas. J'ai fait une comparaison qui consiste à dire combien on avait d'agents pour X habitants. Ça, c'est du trapèze. Je t'ai répondu, c'est pas du trapèze. Oui. Parallèlement, si tu veux parler sur... Tu me permets deux minutes. Oui. Sur Gila, on a mené au CCS des services nouveaux. Et bien sûr. Senior, la distribution, les repas, la distribution de repas. Le CCAS, en 2007, il avait 4 agents. Il en a 13 aujourd'hui. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que je veux te dire, que ces 4 agents représentaient une somme d'argent qui ne figure plus sur le budget. Donc, il faut, quand tu parles de repères, il faut aussi se rappeler que ces personnes-là étaient réglées, même s'il y avait une compensation derrière, étaient réglées directement par la mairie. Elles ne le sont plus. Donc, ce pourcentage serait bien accentué aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en 2007, le total du budget de fonctionnement était bien sûr en deçà des sommes qu'on a pu voir. Mais il y a toujours eu ce travail, enfin, je le connais d'assez près, de suivi budgétaire, d'être toujours à rechercher l'économie sur les dernières années, qui nous a permis de baisser significativement les dépenses à caractère général. C'est repris en tes chiffres. Et c'est dommage qu'on ne soit pas resté sur ces critères-là. Caractère général, je ne parle pas de personnel. Je pense qu'on aurait pu rester et amortir le coût que l'on va subir en 2023. Pour conclure sur le sujet, je disais tout à l'heure qu'on va s'attacher, à travailler les dépenses à caractère général, pour les deux raisons que j'ai évoquées. Ça va avoir pour effet, j'espère, de faire augmenter la part des dépenses de personnel sur les dépenses totales. Et j'y suis largement favorable. Même si ça doit nous conduire à 60%, c'est vers ça qu'il faut aller. Au total, si l'on dépense moins, eh bien on aura dépensé moins. Peu importe qu'elle soit dans le caractère général ou dans les dépenses de personnel. Je ne sais pas si j'étais clair. Par rapport à Berouetta, je vais laisser la parole à Marie-Christine qui souhaite apporter une réponse. Oui, justement, dans préserver les terres agricoles pour tendre vers la souveraineté alimentaire, j'ai parlé de Berouetta. Et donc, effectivement, le projet que vous avez mis 8 ans à créer, c'était votre projet, ce n'était pas le nôtre. Donc, lorsqu'on est arrivé aux manettes et qu'on a rencontré l'agglo, on leur a expliqué que ce n'était pas ce projet-là qu'on voyait, nous, dans cet espace-là. Un sol qui a été analysé par la CAPB, qui a confirmé ce que je te disais déjà depuis longtemps, que c'était une terre avec une très forte valeur agronomique. Comment pourrait-on artificialiser ce type de sol alors qu'aujourd'hui, on a un projet de nourrir nos cantines, nos anciens, voire la population, sur des circuits courts et qu'on aurait une possibilité de faire là un espace de production maraîchère. Ceci étant, je ne dis pas que qu'il y aura zéro artificialisation sur cet espace-là. Il y en aura sans doute, parce que si on a une activité maraîchère, il faudra le coupler avec des bâtiments qui seront en lien avec ce type d'activité. On a également le projet de faire une cuisine centrale, et la cohérence voudrait que la cuisine se trouve à proximité du lieu de production. Donc, effectivement, il y aura sans doute un peu d'artificialisation, mais ça ne sera pas sur votre projet politique, mais sur un autre projet politique. Et j'espère qu'on arrivera à le mener à bien. Puis pour compléter, je dirais, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je ne sais pas pourquoi on oppose toujours l'économie classique à l'économie sociale et solidaire. C'est de l'économie. L'agriculture fait partie aussi de l'économie, n'en déplaise à certains, c'est de l'économie. Alors après, voilà. Bon, Berouetta 2, les discussions se poursuivent avec la communauté d'agglomération Pays Basque. Ça restera une zone à vocation économique dans son sens général du terme. Mais effectivement, on a des différences de projet. Voilà.
Pour conclure, oui, Jean. Oui, au-delà de la différence de projet, enfin, c'est une centaine d'emplois qui étaient prévus là. Donc là, aujourd'hui, est-ce que vous comptez créer une centaine d'emplois ailleurs ? C'est tout. Hein. Création, c'était des transferts. Arrête. C'était des déménagements. Arrête avec ce raisonnement. Mais le principe du développement économique, c'est donner l'opportunité à des entreprises de naître ou de se développer. Évidemment, là, les endroits qu'elles vont laisser, d'autres vont pouvoir s'installer, se créer. Mais c'est un faux raisonnement que tu as. Et c'est Pancho qui l'avait tout le temps, ce raisonnement. C'est un faux raisonnement. Daniel souhaite apporter une réponse. Je voudrais juste, Jean, par rapport à la hiérarchisation des points dans le plan stratégique dont tu parlais, que l'économie se retrouvait au 15e point, je voudrais juste te dire que ce soit le premier point, le 20e point, ils ont tous la même valeur et que c'est une volonté de notre part, une demande qu'on a faite justement dans cette présentation, de mettre en avant la politique sociale au sens large du terme, l'Urugnard étant pour nous au cœur du processus de la ville et de ses besoins. Donc, nous avons voulu mettre en avant, en premier point, toute la politique sociale. Et je voudrais te redire que le point 20 n'a pas moins d'importance que le point 1. Mais tout est social, hein. Tout est social. Hein. Le logement, c'est du social. De l'économie et l'emploi, oui, c'est du social. Oui, est-ce que tu connais bien des compétences qui ne sont pas sociales dans la liste bien. Mais bien souvent, tu sais, la politique sociale, elle est toujours mise en bas. Monsieur Gavilan, rapidement. Et après. Alors vraiment très rapidement. Il n'est pas question d'opposer l'économie classique à l'économie agricole. Mais tout à l'heure, quand même, j'ai repris le chiffre repris par monsieur Gonzalez. Combien il y a d'hectares de terres agricoles ? Il y avait de la terre agricole aussi. Hein. Oui. Oui. Donc voilà, c'est tellement rare d'avoir sur Urugne une zone de développement économique que c'est vraiment sacrifier un travail qui a été fait. Ce n'est pas un projet politique. Moi, je reviens sur le projet. Il n'était pas politique. Quand on crée de la zone économique, ce n'est pas politique. C'est s'occuper des générations futures en sachant quand même qu'il y a des centaines, voire des centaines d'hectares qui sont consacrés à l'agriculture. Et d'avoir quelques hectares qui complètent la zone de Berrueta, pour moi, il n'y avait rien de politique. Il y avait simplement une logique. Le grignotage va toujours dans le même sens. C'est avec ce raisonnement. C'est pas avec ça en plus. C'est pas avec ça. On se retrouve avec la le micro. On m'entend. Non, le grignotage et le bétonnage, il va tout le temps dans le même sens. Et ce raisonnement, c'est pas avec cette maison en plus, c'est pas avec cette zone en plus qu'on va faire du mal. Mais résultat, on se retrouve aujourd'hui avec une côte qui est surbétonnée. Et c'est pas notre rôle, et c'est pas notre vœu d'aller dans le même sens. Et c'est pas parce que Bidart le fait et que tous les villages l'ont fait, malheureusement, sur les meilleures terres agricoles, dans toutes les vallées, on le retrouve partout. Ustaritz, maintenant Ossès et tout ça. Toutes les meilleures terres ont été grignotées. Et nous, on ne veut pas aller dans ce sens-là. Vas-y. Alors, ne promets pas de souveraineté économique. Hein. Tu parles que de souveraineté agricole. C'est tout. C'est tout. Jean, donc, on n'aura plus que des agriculteurs, Jean, et du tourisme. Et de économique, tout à l'heure. Jean, non, on te l'a déjà dit. Tu ne vois l'économie que dans un sens. Il faut élargir ton regard de l'économie. Mais pas du tout. Élargis ton regard. Et regarde ce qui se fait et regarde ce qu'il faudra faire surtout. Regarde où nous a mené le raisonnement économique. Où nous a mené la. Oui, le raisonnement économique. Le raisonnement économique qui a été mené par notre système. Regarde où c'est qu'il nous mène. Il nous mène à devoir changer beaucoup de choses. Nous, on veut commencer ce changement. Bien. Pour clôturer, je dirais ce débat, je souhaitais simplement, moi, intervenir. J'ai entendu ce reproche auquel je m'attendais, bien évidemment, du taux de réalisation d'investissement. Effectivement, 6 millions d'euros annoncés, près de 4 millions d'euros réalisés en 2022. Bon, je pense que ce que vous dites... Effectivement, mais vous savez, vous connaissez parfaitement les raisons. Je rappelle quand même que cet écart, 40% de cet écart aujourd'hui est constitué par le fait que le projet Licharitch,
l'acquisition, je parle bien de l'acquisition, les Charich, n'a pas encore abouti. Mais n'a pas encore abouti en raison de qui ? Pas de la commune. La commune a signé avec Vinci le protocole d'accord aujourd'hui, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y a cette procédure de déclassement qui est en cours au niveau de l'État. Donc, effectivement, 40% de l'écart que l'on a aujourd'hui entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé, c'est ça. C'est ça. Et après, vous le savez, vous avez été déjà aux manettes, vous savez très bien que la temporalité que nous souhaitons, les politiques, malheureusement, ne correspond pas à la temporalité, je dirais, administrative ou juridico-administrative. Et ça crée de la frustration pour nous élus, effectivement. Je suis le premier frustré. Mais c'est une réalité. Et c'est une réalité que vous connaissez. Mais sur laquelle vous surfez aujourd'hui. Vous surfez. Alors que c'est une réalité. Voilà. Bon, de toute façon, on fera les comptes. On fera les comptes. Et on fera les comptes surtout en 2026. Et là, on verra. Là, on verra si on a avancé ou on n'a pas avancé dans nos investissements. Voilà. Bien. Moi, je vous propose de considérer donc qu'on a tenu ce débat, parce qu'il n'y a pas de vote sur le rapport d'orientation budgétaire. Il y a un débat à tenir et je dois prendre acte que ce débat est intervenu. Par contre, il faut voter sur le fait qu'on a bien eu le débat. Voilà, c'est comme ça. Donc je pense que tout le monde sera d'accord pour considérer qu'on a eu un débat. Hein ? Donc il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention. Donc on est tous d'accord qu'il y a eu un débat. Et je vous remercie pour la qualité et la sérénité des débats. Bien, je vous propose de poursuivre donc l'ordre du jour. Et on va essayer de dérouler un peu plus rapidement maintenant, puisque, mais bien évidemment, on ne veut pas empiéter sur le débat. Hein, s'il y a débat, il y aura débat. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Et on va parler d'économie, puisqu'on nous fait le reproche de ne pas parler d'économie. Et donc, Pancho, je te cède la parole pour deux délibérations qui sont relatives à l'économie. Classique ou solidaire, je ne sais pas, mais l'économie. Vai, mi l'esquerre, dire, on ne le sait pas ça. Pardon. Oui, d'abord, un transfert sur Ribardine. Il y a M. Yulen Sarasola qui donc a donné sa démission, a dénoncé son bail. Et il y a eu plusieurs candidats qui se sont présentés. Finalement, c'est un M. Maza. Qui va prendre sa succession. Et donc, on vous propose d'attribuer les lots 6B et 7 à M. Christophe Maza, sachant que le lot 6B fait à peu près 17 mètres carrés et le lot 7 fait 116 ou 117 mètres carrés. Voilà. Des observations, des remarques ? Non. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient, je vous remercie pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Les tarifs applicables aux commerçants non sédentaires et aux forains, donc des tarifs qui sont aussi des sources de recettes sur lesquelles on prend le soin de s'attacher. Pancho. Oui, alors la détermination du montant de la redevance, hein, elle repose sur un principe essentiel qui sont la prise en compte des avantages de toute nature qui sont procurés aux titulaires de l'autorisation. Par exemple, pour le commerce non sédentaire, plusieurs éléments peuvent être pris en compte. La surface occupée, le mode d'usage, la situation des emplacements occupés, la nature des commerces exercés, etc., etc. Donc, dans un premier temps, il est proposé au conseil municipal de modifier ces tarifs des commerçants non sédentaires dans un objectif d'attractivité et de simplification. C'est vrai que le dernier tarif qu'on avait proposé, qui avait tendance à privilégier la durée, ça n'a pas été tout à fait bien compris et donc c'est la raison pour laquelle on a été amené à modifier ces tarifs. Quelque chose de beaucoup plus simple maintenant, un seul tarif sera appliqué provisoirement en attendant l'évolution des zones d'accueil de ces commerçants non sédentaires. Donc il y a un seul et unique tarif qui va être appliqué, c'est 40 euros par mètre carré et par an. Voilà. Donc il vous est proposé d'accepter les tarifs applicables aux forains et de moduler les tarifs des terrasses en tourniquet. Les autres tarifs restent inchangés par rapport à 2022. Des observations ? Monsieur Gavilan ? Peut-être. En vérité, je ne sais pas trop. Ça veut dire que
les emplacements ont des tarifs fixes. Et c'est là que je l'ai vu, ou c'est plus loin. Pour ceux qui utilisent des fluides, eau, électricité, c'est après ou c'est là ? C'est là ? Ils sont applicables sur toute la... Certains commerces consomment plus que d'autres. Je vois ici, par exemple, sur ce qu'on appelait le terrain de boule à l'époque. Il y a des commerces qui restent allumés toute la nuit, quoi. Et donc, ils payent la même chose que celui qui vient juste une machine à café, à la limite, il va payer la même chose. C'est un peu ça qui est incohérent. La tarification, elle est faite à la surface occupée. C'est le principe qu'on a adopté pour cette année. Oui. Donc, si un commerçant il a 3 mètres carrés, il paiera 120 euros par an. S'il en a 10, il paiera 400. Donc, cet emplacement qu'il a à l'année, va consommer davantage que quelqu'un qui vient peut-être tous les jours, mais qui ne laisse pas son commerce allumé en façade, quoi. Oui, mais les branchements ne permettent pas des surconsommations, comme tu dis, ou alors il faut que ça soit spécifié dans la fiche technique qui remplit à l'origine, et à ce moment-là, on lui fait une proposition personnalisée. Je te propose quand même de revoir un peu ça. Ça figure sur le tableau. Il y a un forfait de 2 euros. C'est ce que je dis. Et après, s'il y a une consommation... Je veux dire que c'est du fixe, mais tout le monde est à la même enseigne. Non, après, si c'est au-delà d'une certaine consommation. S'il y a une puissance supérieure, il doit le notifier sur son... De toute façon, il peut pas se... S'il absorbe une puissance supérieure, il n'aura pas l'électricité. Un exemple qui n'existe pas. Quelqu'un qui a une friteuse avec alors je sais pas si c'est du trifacène comme ça, il va pomper dessus pendant peut-être 1 ou 2 heures. Quelqu'un qui a un commerce qui est éclairé toute la journée ou toute la nuit, il y a quand même une différence de traitement. C'est ce que je veux dire. Mais c'est un travail de commission. Hein. Je rentre là juste, c'est pas... Voilà. Ce sont des éclairages LED qui sont mis en place. Autrement dit, la consommation, elle est... Voilà. Elle est plutôt dérisoire en ce qui concerne les éclairages. Et il n'y a que ça qui marche la nuit, quoi. En plus de ça, lui bénéficie d'un tarif spécifique pour la bonne raison, c'est que ce n'est pas 16 ampères qui l'utilise, c'est un petit peu plus. Donc il est surfacturé. Alors là, je ne vais pas te contredire. Autant sur les... Monsieur Telecher. Ouais, juste une précision sur les terrasses ouvertes. C'est-à-dire que là, nos commerçants, restaurants et bars, ils payent 20 euros au mètre carré, sauf pendant la période des fêtes, c'est ça ? Ou là, on a un nouveau tarif qui s'impose ? Sinon, pendant les festivités, c'est 50 euros. Ça veut dire quoi, là ? C'est nouveau, ça ? Oui. Oui ? Ouais ? Oui, mais ça veut dire quoi ? C'est un forfait, hein ? Ah, pour les fêtes, c'est 50 euros. Alors, les festivités... C'est un forfait. C'est pour les fêtes. Au jour. D'accord. Mais alors, les festivités, ça veut dire quoi ? C'est les fêtes du Rhône uniquement ? Ou lorsqu'on a d'autres fêtes organisées, c'est considéré comme festivité ? Non, c'est que les fêtes du Rhône. S'il y a d'autres festivités qui sont organisées, oui, on les facturera plus, bien sûr. Et ils ont compris ça, les commerçants ? S'ils n'ont pas compris, on leur expliquera. Oui, et je compte sur toi aussi pour leur expliquer, à la limite. Bien, d'autres observations ? Oui, moi j'aurais apprécié quelques indicateurs pour nous dire si le commerce se porte mieux à Urugne maintenant qu'il y a un an, qu'il y a 2 ans. Commerce sédentaire, non sédentaire, moi je vois partir des... commerçants, plus que des commerçants qui arrivent. Et les tarifs, ce n'est pas ça qui fait qu'un commerce fonctionne ou pas, mais ça y contribue. Ça peut être plus ou moins incitatif. Je n'ai pas une vision claire de l'état de santé du commerce à Urugne aujourd'hui. Ça m'aurait aidé à cette délibération. Donc là, je vais m'abstenir. Ils ne sont pas obligés de déclarer leur chiffre d'affaires, d'abord. Donc, connaître leur situation exacte, c'est quand même pas facile. Ensuite, qu'il y ait du turnover sur le commerce non sédentaire, c'est la définition même du commerce non sédentaire. Hein. Donc, c'est normal qu'il y en ait qui s'en aillent et qu'il y en ait d'autres qui reviennent. Ça s'en va et ça revient, comme disait la chanson.
Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non, je n'en vois pas. Bon, écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est donc contre ces nouveaux tarifs? Qui s'abstient? Donc, on a abstention de M. Telecha et M. Fourcade. Je vous remercie donc pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Et nous poursuivons. Alors, on va reparler de la montagne. Je vais être le plus synthétique possible. C'est le projet Diac-Pasto sur lequel on a déjà délibéré le 28 septembre 2022, pour rappel. Hein, donc c'est un projet qui est mené dans le contexte de la commission Gourmendia, hein, qui s'est créée au niveau de l'agglomération. Gourmendia qui a pour objectif d'assurer une gestion commune hein, de nos massifs montagneux, gestion commune entre les communes du Pays Basque Nord, mais également nos amis du Pays Basque Sud, puisque la montagne, on a pu s'en rendre compte, n'a pas de frontières, surtout quand il s'agit de désastres comme les incendies de février 2021. Donc cette commission Gourmendia s'est engagée donc, dans la réalisation de ce projet Diac-Pasto et donc a répondu à des appels à projets européens, hein, donc au niveau des fonds européens POCTEFA. Nous avions obtenu, je le rappelle aussi, une première subvention de 25 000 euros donc, du projet POCTEFA pour la réalisation de la première étape de ce diagnostic qui consistait en une analyse surtout cartographique et aussi des enquêtes auprès des agriculteurs et des éleveurs transhumants. Deuxième étape, je vous rappelle aussi que par une délibération du 15 novembre 2022, la communauté agglomération Pays Basque nous a attribué, au même titre que d'autres communes, une aide financière de 22 000 euros pour cette fois-ci passer à cette deuxième phase du diagnostic et qui est un diagnostic beaucoup plus approche terrain. Et aujourd'hui, il s'agit bien évidemment, après avoir réalisé ce diagnostic, d'établir un plan d'action par rapport aux actions à mener pour développer et coordonner, on va dire, nos actions de pastoralisme sur la montagne. Mais pour tout cela, il nous faut conventionner. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, on a envie d'aller vite, mais on a des procédures juridico-administratives à respecter. Et donc, en voilà un exemple, on doit conventionner. On doit donc conclure une convention de partenariat et de groupement de commandes pour ensuite mener ces actions sur notre montagne. Et donc, c'est ce qui vous est aujourd'hui proposé en complément de la précédente délibération du 28 septembre 2022. Donc, d'approuver les termes de l'avenant à la convention de partenariat qui est signée, je le rappelle aussi, entre 8 communes partenaires et avec chef de file notre commune du Rugne. D'approuver les termes de l'avenant que vous aviez en annexe et d'approuver, bien sûr, le rôle de chef de file, comme on l'a fait déjà précédemment, de la commune du Rugne et de m'autoriser, donc en qualité de maire, à signer toutes les pièces administratives liées à ce dossier. Y a-t-il des questions ou des observations? Sinon, je vais passer au vote. Il n'y en a pas. Je vous propose donc de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Nous restons cette fois-ci avec la forêt. La forêt communale, David va nous présenter ce dont il s'agit, puisqu'il s'agit de restructurer notre forêt communale avec, bien évidemment, l'aide de l'Office national des forêts. Oui, alors l'ONF nous a sollicité, comme tous les 20 ans, il y a le plan d'aménagement forestier qui est à refaire. Donc, monsieur le maire expose au conseil municipal que l'ONF a inscrit à son programme la révision de l'aménagement forestier de la commune du Rugne. Dans le cadre de cette étude, une mise à jour de la liste et de la surface des parcelles cadastrales constituant la forêt communale et sur lesquelles la commune demande l'application du régime forestier est apparue nécessaire, du fait notamment d'un meilleur calage du périmètre avec les outils et références aujourd'hui disponibles et de l'évolution des références cadastrales depuis le dernier arrêté préfectoral du 24 juin 2013. La liste des parcelles cadastrales relevant du régime forestier et leur localisation sur carte sont jointes en annexe. Vu les articles du Code forestier, considérant l'évolution des références cadastrales, il est ainsi proposé au Conseil municipal d'approuver la distraction du régime forestier de la surface en relevant actuellement soit 831 hectares et 38 arts
et d'approuver l'application du régime forestier d'une nouvelle contenance de 833 hectares et 0,4 ha. Voilà, c'est un changement de superficie. On a 2 hectares supplémentaires. Donc, sur lequel on doit appliquer le régime forestier. Y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette délibération adoptée à l'unanimité. On reste toujours dans la montagne et près de la forêt aussi, puisqu'on va parler du projet de réalisation de la piste du lac. Vous vous souvenez que le 7 avril 2021, nous avions délibéré donc, pour constituer une maîtrise d'ouvrage unique avec notre commune voisine, la commune de Biriatou, pour réaliser donc, ce projet de réhabilitation de la piste du lac. À l'époque, donc, ce projet était porté pour une distance de 4000 mètres linéaires et un coût total de 314 000 euros hors taxes. Or, vous le savez, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qu'un important incendie est intervenu en février 2021 et qu'une des conséquences désastreuses de cet incendie a été que la partie de ligne électrique qui dessert une maison particulière, en l'occurrence la maison Lissarlan à Biriatou, a été totalement détruite. Et que par conséquent, la société Enedis comptait profiter de ces travaux de réhabilitation de cette piste du lac pour enfouir donc, le réseau électrique au niveau de cette route de Lissarlan. Malheureusement, ces travaux ont pris beaucoup de retard. Et donc, pour ne pas retarder encore plus, puisque sinon on nous reprocherait là aussi que les investissements ne se font pas, pour ne pas retarder beaucoup plus donc, la réalisation de ces travaux quand même de réhabilitation, nous avons décidé en concertation avec la commune de Biriatou de vous proposer donc, de modifier le projet tel qu'il était prévu initialement et de conclure un avenant pour ce faire. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet ne porterait plus que sur 2350 mètres linéaires, donc une bonne partie sur le territoire de notre commune et une petite partie toujours sur la commune de Biriatou, donc ce qui laisse bien évidemment toujours d'actualité cette maîtrise d'ouvrage unique et que par voie de conséquence, bien évidemment, le coût des travaux est également réduit puisque au lieu des 314 000 euros hors taxes, on se retrouve aujourd'hui avec 194 000 euros hors taxes. Voilà, présenter la délibération. Donc je vous propose de valider donc, cette modification du projet, de valider l'avenant qu'on devra donc signer concernant la convention de maîtrise d'ouvrage unique de l'opération et de m'autoriser bien évidemment à signer cet avenant. Y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Nous allons maintenant parler de sport et de jeunesse. Et avant la jeunesse, mais non, ça concerne la jeunesse, je vais donner la parole à Sandrine qui va nous parler de la fameuse convention territoriale globale CTG qui amène beaucoup de débats, notamment avec la CAF, n'est-ce pas Sandrine ? Tout à fait. Donc vous le savez, on en a souvent parlé en conseil, la CAF a modifié son dispositif de soutien financier et technique aux communes. Et nous sommes en train de passer du contrat enfant-jeunesse aux conventions territoriales globales qui ne sont pas encore signées, mais qui devraient l'être d'ici à fin mars. Et c'est afin de faire la transition entre ces deux dispositifs que nous devons conventionner à nouveau sur le poste de coordination de la CTG et sur les financements de la formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Donc le BAFA et BAFD. Ces deux thématiques donc, sont traitées par deux conventions distinctes que vous avez donc en annexe. Pour la première, donc, il s'agit d'une convention qui conditionne le versement d'une subvention de la CAF à la commune pour le poste dit de chargé de coordination CTG. À l'occasion donc, de la généralisation des CTG, les postes de coordination des contrats enfants-jeunesse sont donc amenés à évoluer. Cette convention engage donc la commune à redéployer les postes de coordination contre enfants jeunesse sur l'animation de la démarche CTG, à renforcer le contenu de la fonction en cohérence avec le référentiel chargé de coopération CTG et à produire un bilan des activités réalisées. En contrepartie de quoi, la CAF versera une subvention d'un montant de 1 703,99 euros
par équivalent temps plein, j'ai un petit doute sur le chiffre tout d'un coup, chargé de la coopération CTG. Sur URUN, il s'agit de 0,81 équivalent temps plein. Je pense qu'il s'agit d'un versement mensuel, si je ne me trompe pas d'aider. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'autoriser le conventionnement avec la caisse d'allocation familiale pour la période du 1er janvier 2022, donc c'est rétroactif, au 31 décembre 2023, et d'autoriser monsieur le maire de la commune à signer la convention et afférents. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas, donc tout était clair. Merci Sandrine. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. On reste sur la montagne. Non, attends, pardon, Philippe. Il y a une deuxième convention, donc voilà. Excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Pour la deuxième, il s'agit de la convention qui définit et encadre les modalités de versement de la subvention aux formations brevets, donc BAFA et BAFD. Subvention versée par la CAF à la commune. La CAF intervient en cofinanceur pour les communes qui ont signé un contrat enfant-jeunesse, donc transformé en CTG. Cette convention est valable de manière rétroactive également pour du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Et pour votre information, le centre de loisirs a accueilli en 2022 8 stagiaires BAFA différents. Donc on remercie l'équipe pour ce travail de formation, de transmission du métier qui est important, parce qu'il y a un gros déficit dans ces métiers-là, hein, une baisse dans les recrutements. Donc il est ainsi proposé au conseil municipal d'autoriser le conventionnement avec la caisse d'allocation familiale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et d'autoriser monsieur le maire de la commune à signer la convention et afférents. OK. Donc le vote va porter sur les deux thématiques, les deux conventions. J'en avais oublié une. Bien. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas plus ? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. On passe donc, je disais, à la montagne et donc en parlant d'utilisateurs aussi de la montagne, notamment les vététistes. Matin Rafou. Bai, beraz, placer handiz euskaraz esango nuke guztia, baina ikusi ze luze da dena guztia, errepublikaren hizkuntzara ebiliko dut. Beraz, comme monsieur le maire l'a dit, je vais vous parler de l'utilisation et la gestion d'un itinéraire VTT Enduro. Enduro, c'est du VTT en descente, et plus précisément de la signature d'une convention avec l'ONF et le collectif VTT du Rugne. Donc pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est l'ONF en 2021 qui nous signale qu'il y a un itinéraire non officiel de VTT qui se développe sur le site d'Aïlé-les-Coups. Et donc, nous, en entendant ça, on se met au plus vite en contact avec donc, un groupe de vététistes du Rugne pour leur demander qu'est-ce que c'est et qu'il faut officialiser cet itinéraire parce qu'il faut respecter l'environnement. Dans cette situation-là, on leur demande de créer une association, chose qu'ils font. Et en ayant fait cela, on peut travailler en partenariat donc avec eux, avec nous, la commune, l'ONF et l'ADREAL, qui est l'organisme de l'État qui nous accompagne dans la préservation des ressources naturelles et nous accompagner dans l'aménagement de notre territoire. Donc on a travaillé tous ensemble sur ça. Et sachez que ce sentier sera abordable à un grand public et qu'à terme, il sera inclus aussi au plan local de randonnée. Et donc moi, depuis ici, je veux remercier donc, ce nouveau collectif qui s'est fait quand on leur a demandé de travailler. Et j'espère qu'on va continuer à travailler Elgarrekin ensemble pour des éventuels projets. Donc, Mileshker Suey, et je vous propose donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention. Mileshker Matin, merci. Matin, y a-t-il des questions ? Monsieur Telecha ? Il y avait des infrastructures bois, c'est ça, hein, que tu veux légaliser, c'est ça, non ? C'est juste un parcours. Non, sur celui-là, non. L'autre, ça, ce que vous dites, il a été détruit. Okay. Ce n'est pas le même. Oui, parce qu'en réalité, il y avait deux pistes qui avaient été créées un peu au belse, comme on dit. Bien, ici, il n'y a pas d'autres observations. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On va rester donc avec la jeunesse, Gaëlle, qui va nous parler de l'élaboration d'un projet service jeunesse. Oui,
Donc, les centres de gestion peuvent proposer des prestations pour accompagner les municipalités qui y adhèrent. Nous sommes actuellement intéressés par une prestation d'accompagnement autour de conseils en organisation et de ressources humaines pour le service sport jeunesse. Donc, pour permettre de redéfinir le projet de service. Tout un travail va devoir s'effectuer hein, autour de l'organigramme notamment et voilà les priorités des prestations qui seront proposées aux jeunes. Tout ça est à définir, à redéfinir en tout cas. Donc nous nous faisons accompagner, nous voulons nous faire accompagner des compétences du centre de gestion. Et donc pour cela, il est nécessaire de signer une convention qui pourrait démarrer dès demain. Donc il est ainsi proposé au conseil municipal de décider d'adhérer à compter du 14 février 2023 à la convention conseil en organisation et ressources humaines proposée par le centre de gestion. D'autoriser monsieur le maire à signer la convention proposée en annexe ainsi que les devis permettant sa mise en œuvre et de préciser que les crédits sont prévus au budget de l'exercice. Merci Gaëlle. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette délibération adoptée à l'unanimité. On reste dans le domaine du sport. Makine Rafou, pour parler des tarifs de l'animathlon 2023. Oui, donc le maire a le grand plaisir de vous informer que le 21 mai aura lieu le premier animathlon dans notre commune du Rugne. Et donc, il sera organisé par le service sport et que je profite de remercier pour son sérieux, son travail et son engagement. Mais c'est quoi un animathlon? Et donc, cette fois-ci, malheureusement, ça ne vient pas du basque, du basque ancien, mais ça vient du grec ancien. Thlon, qui veut bien dire épreuve. Et donc, décathlon, 10 épreuves, triathlon, 3 épreuves. Et donc, l'animathlon, ça sera donc un sport enchaîné de natation, cyclisme et course à pied. Et on pourrait croire que ça, c'est du triathlon. Mais non. Ce n'est pas du triathlon parce qu'on a choisi que ce animathlon ne soit pas chronométré. Ce soit réservé qu'aux enfants de 9 à 13 ans parce qu'on veut qu'ils s'éclatent et qu'on ne veut pas qu'ils aient d'esprit de compétition. On veut qu'ils s'amusent, qu'ils connaissent ce sport, mais pour le moment sans compétition. Donc il n'y aura pas de classement. Et par contre, ils auront toujours, chacun aura son lot. Et l'objectif de ce projet est de permettre aux enfants de découvrir les disciplines tout en s'amusant et côtoyer d'autres participants. Et après, l'animathlon à Urugne, elle aura lieu au camping de la Rouletta. Et je veux bien remercier donc les propriétaires de ce camping pour leur bienveillance et de vouloir soutenir les enfants d'Urugne et des alentours. Et par contre, voilà, là on est en train de débattre sur le tarif et on est bien obligé de mettre un tarif symbolique de 2 euros. Et parce que la mise à disposition de moyens matériels et humains pour assurer une réalisation conforme aux obligations techniques et surtout sécuritaires. C'est pour ça qu'on vous demande d'autoriser, monsieur le maire, le tarif de 2 euros. Bien, merci beaucoup Mathilde pour cette présentation très pédagogique et vivante. Y a-t-il des questions, des observations? Je ne pense pas, c'était tellement brillamment présenté. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette adoption à l'unanimité. On va encore parler de tarifs, cette fois-ci pour une course cycliste, dont il y a déjà eu un premier jet, entre guillemets, en 2022, qui avait été un succès. Donc, qui dit succès, dit renouvellement en 2023. Tout à fait. Donc, monsieur le maire a le grand plaisir de vous dire qu'il y aura lieu le deuxième Ibardingo Cronoscalada. Et donc, il sera, comme l'année dernière, à 14 euros et donc dans le même format chronométré. Mais en même temps, on s'est rendu compte où on a envie de proposer ça à des nouveaux participants à qui se motivent à prendre leur vélo, mais sans l'esprit de compétition comme les enfants. C'est-à-dire que vous prenez votre vélo et avant que le chronométrage commence, un petit groupetto pourra partir sans attendre d'être chronométré. Donc, ça sera une espèce de randonnée, ce qu'on propose. On fait des courses à pied et des randonnées, mais ça sera une randonnée de montée à Ibardin. Et comme ça, on sera un plus grand peloton là-haut et on va s'éclater de plus. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chronométrage qu'il n'y a pas un coût, parce qu'il y a la sécurité et compagnie. Donc, on propose le tarif de 5 euros. Voilà, groupetto. Je pense que c'est italien, ça. Oui. Merci.
Donc juste pour compléter, les 14 euros sont abandonnés ou c'est les 5 euros qui viennent compléter les 14 euros? Non. Peut-être je me suis mal expliqué, c'est-à-dire que l'année prochaine, la grimpée cycliste chronométrée, elle continuera. Elle était 14 euros. Elle était à 14 euros et on ne va pas l'augmenter, même s'il y a une inflation de 10%. Et par contre, on va proposer aux gens qui ne vont pas être chronométrés de le faire à 5 euros. Mais ils auront le café quand même. Donc il me semble qu'on devrait reporter les 14 euros sur la délibération. Les 14 euros, c'était pour l'année dernière, c'est ça? Je crois que si on l'a fait une fois, on n'est pas obligé de la... Parce que je vois loisir famille 2023... Non. Elle est valable pour le loisir famille 2023. Oui, je pense qu'il vaut mieux, par prudence, effectivement, compléter la délibération et d'adopter également à nouveau le tarif de 14 euros. Pour les services. La course. Oui, il a raison. D'accord, mais on rapportera de Iberdingo Cronosclada la prochaine fois. Je demande donc au service de modifier la délibération et donc de valider les deux tarifs, hein, celui de 14 euros pour la course chronométrée et de 5 euros donc, pour... le groupe Eto qui va faire la montée en qualité de loisir familial. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. Nous allons passer aux délibérations relatives aux associations et notamment un règlement d'attribution des subventions associatives sur lequel vous travaillez depuis déjà plusieurs semaines. Arrêt. Oui, il travaille depuis un peu plus que plusieurs semaines. Voilà. Monsieur le maire expose au conseil municipal que les associations sont un acteur fondamental pour le développement local, la vie et l'animation de la commune. La commune de Rugne encourage et soutient activement cette dynamique associative. Les formes de soutien peuvent être de type logistique, financier, d'accompagnement administratif. Le soutien financier peut se caractériser par l'octroi d'une subvention de fonctionnement annuel ou, quand il y a des projets ou investissements, une subvention exceptionnelle. Dans un souci de transparence, la commune de Rugne s'engage pour ce document à communiquer les principes d'attribution des subventions, étudier un groupe de travail où étaient conviés à participer l'ensemble des élus du conseil municipal le 22 décembre 2022 en salle de conseil. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la procédure d'attribution de subventions communales aux associations. Cette procédure est décrite dans le projet de règlement d'attribution des subventions associatives en annexe. Donc, cet règlement... détaille les grandes lignes de critères pour avoir des subventions et aussi les procédures qui vont avec, le document à fournir, qui peut prétendre à une subvention et comment sera étudiée une demande et avec un calendrier et voilà tout ce qui va avec. Donc c'est aussi un atout de transparence pour toutes les associations. Donc, il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver les termes du président règlement d'attribution de subventions communales aux associations. Y a-t-il des questions, M. Telicha? Oui, moi j'avais deux remarques. Je m'attendais à des critères plus explicites. Un projet d'intérêt général, c'est... Où sont les critères d'attribution dont on avait parlé? Les critères sont l'intérêt. Voilà. Pour toutes les subventions, il y a une loi qui dit qu'il faut l'intérêt public local. Déjà. Donc, il faut que les critères qu'on a mis aussi, comment c'est la répartition dans la gouvernance d'une association, répartition d'égalité femmes-hommes. J'ai vu les critères. Oui. Hein. Je pensais qu'il y aurait des critères d'éligibilité beaucoup moins techniques et éviter la subjectivité. Je pensais que ça serait... Voilà, c'est pas super. Subjectif. C'est pas subjectif. OK. C'est difficile de développer des critères très, très précis parce que toutes les associations sont différentes. Tu peux pas développer les mêmes critères pour une association culturelle ou une association sportive.
Bien sûr. Mais c'est ça. Donc, il faut rester quand même dans une généralité. OK. La deuxième remarque, alors je n'ai plus le règlement sous les yeux, mais on parle d'aide directe et d'aide indirecte. Oui. Les aides directes, ce sont des subventions. Oui. Et les aides indirectes, c'est la mise à disposition de locaux, par exemple, pour une assemblée générale ou... L'aide directe, c'est les subventions numéraires, l'argent. Oui, c'est ça. Après, l'aide indirecte, c'est l'implication des agents municipaux. Je vais, finir ma question. Oui. Et donc, tout le règlement, il introduit sur ces aides directes et ces aides indirectes, et il ne développe que le processus concernant les aides directes. Et il ne dit rien sur l'attribution des aides indirectes. Exact, tu as raison. C'est que j'ai déjà dit pendant le ROB que nous sommes en train de calculer les aides indirectes pour les associations. Combien ça vaut l'utilisation de toute heure d'une salle communale? Combien ça vaut l'utilisation de l'électricité et des autres fluides? Mais ça, tu l'as déjà fait, puisque derrière, on va voter la gratuité des attributions de salles, par exemple, pour les associations locales. Oui. Donc oui, ça, même si problème. C'est gratuit pour une association, mais c'est un aide. Mais le processus pour faire la demande n'apparaît pas dans le règlement. Je ne vois pas. Ça n'intéresse personne. Je ne vois pas le point. Je n'ai pas compris. Hein. L'idée, ce ne serait pas d'amputer une subvention des aides indirectes que l'association reçoit. L'idée, ce serait de faire ressortir la vraie participation et le vrai montant de subvention. Parce qu'une subvention, elle est visible quand on dit, voilà, c'est 5 000 euros, mais elle est moins perceptible quand c'est la mise à disposition d'une salle, la consommation d'énergie, éventuellement la mobilisation du personnel communal au fonctionnement de l'association. C'est tout ça qu'il faut essayer de faire ressortir. Voilà. Et ce n'est pas de dire, voilà, ça va venir en diminution de quelque chose. C'est vrai, montrer vraiment, valoriser la vraie contribution de la commune. Après, c'est un règlement qui peut être amendé et complété encore. Hein. Monsieur Gavilan. Mais alors, très rapidement, pourquoi on va s'abstenir? Il y a quand même un critère qui est valorisé, hein, que je l'entends. Mais deux associations qui ont le même objet social, qui ont les mêmes activités, une en basque, l'autre en français, l'activité en basque est valorisée. C'est un peu ce qui est écrit, puisque c'est un critère qui rentre dans l'attribution des subventions. Donc, pour moi, il y a deux poids, deux mesures. Quand on fait l'activité associative, je ne pense pas qu'on puisse faire entrer ce critère-là. Je n'ai pas vu ce critère. Je n'ai pas vu, hein. L'article 9, l'impact de l'activité. Critère. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. C'est pas, hein, une discrimination. C'est pas, bon, ça, le basque ne me gêne pas du tout. Non, vous devez. Comme c'est écrit, vous devez comprendre. Avec le même objet, les mêmes activités, une sera valorisée aux dépens de l'autre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce qu'on veut, c'est mettre en valeur la langue basque. Donc, nous, on écrit ces choses-là pour que les gens se rendent compte que pour nous, c'est important. Après, c'est pas, voilà, pour lui, c'est 10 points et pour l'autre, c'est 8 points. Mais par contre, si on voit que l'association fait un effort pour la langue basque ou pour que la direction soit plus féminine, ben on va mettre en valeur. C'est des trucs, des points qu'on va mettre en valeur. Quelque part, tu es en train de dire ce que je viens de dire. Quoi. C'est un peu ça qui me gêne. Voilà. Personnellement, je vais m'abstenir, je ne sais pas quoi. Ce sont des critères qui sont aussi là pour stimuler les associations de réfléchir sur le fonctionnement pour direction et utilisation de Euskara. Ça ne veut pas dire que ça se traduit en une différence d'attribution de subventions. C'est écrit, je suis désolé. Bien. D'autres. Je voulais juste préciser en tout cas que concernant les galettes d'étendants, le critère, ce n'est pas un critère qui va être exclusif, c'est plutôt un critère qui va être d'engagement à aller vers et à aller vers plus, pour justement promouvoir la place des femmes, peut-être dans les instances dirigeantes,
non pas dans les nombres d'adhérents ou d'adhérentes, ça, c'est pas ça qui va compter, mais que justement les femmes puissent avoir une opportunité, peut-être pas d'être dans la parité de la gestion d'un club ou d'une association, mais en tout cas qu'elles puissent se dire, voilà, ça va être un critère incitatif, voilà, plutôt que restrictif, voilà. C'est ça qu'on va enlever là, dans, le, dans la ligne droite de l'égalité. Je n'ai pas parlé de, voilà, de la parité, de l'égalité. Enfin, bon. J'avais le plaisir à donner une précision. Alors, il y a Proudel qui veut apporter une réponse. Par contre, prenez le micro, parce que nous on s'entend, mais il y a un public qui nous regarde aussi, et qui, eux, ne nous entend pas si on n'a pas de micro. Annie vient de le dire, hein, si aujourd'hui on est en train de parler de la parité et de mettre, disons, un petit peu en relief la parité, c'est parce qu'elle n'existe pas. Non ? On ne ferait pas quelque chose... Elle a parlé de la parité, d'accord ? Dans les critères, sur les hommes-femmes, d'accord ? Non, mais j'ai dit, elle en parlait. Mais moi, je vais parler dans mon secteur, je vais dire la même chose. Si aujourd'hui... Si on est venu dans la parité à parler des parités, c'est parce qu'il n'y en a pas de parité et qu'on veut compenser, d'accord ? On veut réguler ces déséquilibres. Eh bien, avec la langue basque, il s'est produit la même chose, exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a été tellement écarté, la communauté bascophone a été tellement écartée à tout point de vue, que ce soit dans les associations, dans les communes et tout, qu'aujourd'hui, on est obligé de souligner, et apparemment, même ça gêne. Quand on voit un conseil municipal, je vais dire, la part de l'Euskara, il faut presque demander la permission de parler en Euskara. Bon, il faut arrêter, quoi. Hein. On va aller dans les petits points comme ça, alors que vraiment, la part du lion, c'est la langue française. Et dès qu'on fait quelque chose pour la langue basque, ça gêne. Comme si on faisait de la discrimination, nous. J'ai entendu le mot discrimination, je crois, non ? Des associations. Bien. Juste un petit mot pour parler de parité ou de la langue basque au niveau associatif. Il y a déjà pas mal d'années, enfin, il y a des associations qui œuvrent pour la langue basque et que ce soit enfin, pour la langue basque qui ne demande pas la permission, qui au sein du service public et compagnie. La parité, il faut trouver aussi un bon nombre d'associations. Ou enfin, une association sportive, que ce soit rugby. Enfin, moi, je vais aller d'un point à un autre. On ne peut pas parler de parité. Il va y avoir des associations masculines, des associations féminines, des associations de parents féminins, masculins. Enfin, il ne faut pas toujours s'arrêter à des critères. Voilà, la parité, la langue, oui, bien sûr, elle est... Elle est en nous, cette langue, donc elle fait partie de notre vie. Hein. Je vous donne un exemple. L'Urunyarak a toujours des exigences. Il veut un argent ou il veut quelque chose. Et voilà que c'est normal. Mais par exemple, pour nous, développer le sport féminin, c'est important. Mais l'Urunyarak Rugby est en train de le faire. Pour nous, ça, c'est un point positif. Mais voilà, c'est des gestes comme ça qu'on va remercier et qu'on va valoriser quand on mettra notre... Si tu permets, je te réponds là-dessus. C'est bien que le Rougnac valorise une équipe féminine de rugby. Et naturellement, dans sa demande de subvention, il y aura des frais de déplacement, il y aura des frais de... Et ça interviendra à parité, comme pour les hommes. C'est le besoin de financement qui va créer... le montant de la subvention. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que dans le titre numéro 15, règlement d'attribution des subventions associations, il y a un critère, c'est un critère de basque, de pratique de basque. Et c'est à ce niveau-là. Je ne vais pas voter contre. Je souligne seulement qu'il peut y avoir deux poids, deux mesures. C'est ça que je veux dire. C'est pas, pour moi, ce n'est pas un rappel. Bon, on va jamais tomber là-dessus. Bon, oui, de toute façon, on n'est pas sur les mêmes interprétations. Philippe, s'il te plaît. Je vous propose de clôturer ce... Oui, non, Sandrine. Juste quand même rappeler aussi pour ceux qui nous écoutent qu'il y a une réunion à laquelle vous avez été invités. Certains étaient là, mais d'autres n'étaient pas là. Pour réfléchir à ces critères, réunion qui était ouverte
à tout le monde, hein, à toute l'équipe, tous ces gens qui sont, tout le monde qui est autour de la table aujourd'hui. Rappeler aussi que, oui, vous nous avez reproché à certains moments de manquer de critères indicateurs pour définir à qui étaient attribuées les subventions et qu'aujourd'hui, on assume d'avoir mis certains indicateurs, certains critères, comme la pratique de la langue basque. À un moment donné, on ne peut pas avoir une politique où on promeut une langue et puis ne pas encourager, y compris financièrement, les efforts de certaines associations qui forment, par exemple, des animateurs à la langue ou encore qui vont essayer d'adapter certains cours, certaines activités. C'est un choix politique. Voilà. Je vais te répondre en deux temps. En deux temps, pourquoi ? Déjà, sur la commission, c'est une commission générale. Personnellement, je trouve déplacé de faire une commission générale qui se substitue à toutes les commissions qu'il peut y avoir. Les ressources humaines. Au moins, on y viendra. Là, il va falloir qu'on remette quand même de l'ordre là-dedans. Il y a des commissions qui sont créées. Bon. Moi, je vous le dis comme je l'entends. Ensuite, je n'ai pas demandé à ce qu'on le sorte. J'ai expliqué mon vote. Après, s'il faut nous demander de ne pas expliquer et de se taire, on peut le faire aussi, mais ce n'est pas terrible. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'on modifie ça. Je dis, j'ai expliqué mon vote. Pas plus. Bon, je pense qu'on est dans le respect de tout le monde. On est totalement dans le débat. Chacun explique sa position et les réponses arrivent puisque ça provoque des réponses. On est dans le débat. Bien. Oui. Moi, Dernier élément, monsieur Telecha. Moi, je trouve que c'est des sujets qui sont importants. Et donc, de ne pas les voir, débat. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas de problème. Et moi, je trouve que le travail sur l'égalité homme-femme, même à travers des documents comme ça, même si ce n'est pas relié à une pondération, c'est important de le mettre. La place de l'Evskara, même s'il n'y a pas une pondération, c'est important. Et de ne pas le mettre, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de problème sur ces deux sujets, alors qu'il y en a. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Sinon, je vous propose de passer au vote. Il n'y en a pas. Alors, qui est contre ce règlement d'attribution ? Personne. Qui s'abstient ? On a deux abstentions, Monsieur Levrero et Monsieur Gavilan, avec pouvoir de Madame Goya. Je vous remercie donc pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Et on poursuit avec les associations. Et cette fois-ci, on va parler plus d'une aide indirecte, puisqu'il s'agit de mise à disposition de locaux communaux pour deux associations, Eric Ilolaribay et Tarapatakan. Merci. Il y a deux associations qui nous ont sollicité pour avoir à leur disposition des salles communales. Et donc, on vous propose que M. le maire signe une convention pour Harry Kirolari Bay et Tarapatakan pour leur mettre en disposition des salles communales. Vous avez la condition en annexe. Donc, c'est proposé d'approuver la convention de mise à disposition et utilisation d'un local communal et d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas, pas d'observation. Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. On reste toujours avec location de salle, cette fois-ci associative, qui s'appelle donc désormais Jeanne Semper, puisqu'elle a été inaugurée samedi dernier à Ré. Exact. On a une tabelle pour mettre à disposition des salles communales. Pour les associations de Urugne, c'est toujours gratuit. Pour les associations à l'extérieur, on demande une contribution, aussi pour les syndics et pour les autres sociétés privées. Et on ajoute à cette tabelle aussi la nouvelle salle Jean Saint-Père, qui a été inaugurée samedi dernier, et avec les conditions que vous trouvez ici. Donc, on rajoute simplement cette nouvelle salle au tarif, enfin à la grille des salles et à l'énumération des salles qui existaient déjà, et on reprend les mêmes tarifs que pour les précédents. Parité, là aussi. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver ces tarifs de location de la salle Jean Saint-Père.
Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je vous remercie donc pour cette adoption à l'unanimité. On passe à la transition écologique, Julie, sur une nouvelle demande par rapport à l'Atlas de la biodiversité. Oui, en fait, pour la, on va dire, quatrième fois, nous allons tenter d'avoir enfin une subvention pour pouvoir réaliser l'Atlas de la biodiversité communale. Pour rappel, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de délibération. Premier déposé en mars 2021, refus juillet 2021 et avril 2022, le dernier en date. Cette fois-ci, on a toutes les raisons d'y croire. Pourquoi ? Parce que depuis l'année dernière, je vous rappelle qu'on a été labellisé territoire engagé par nature. Donc on espère fortement que ce nouveau label puisse appuyer en fait notre demande de subvention pour l'Atlas de la biodiversité. Alors le dossier doit être déposé pour la petite histoire le 22 mars pour un résultat en juin 2023 de cette année. Donc il est ainsi proposé au conseil municipal de déposer une nouvelle demande d'aide financière auprès de l'Office français de la biodiversité dans le cadre de l'appel à projet 2023. Voilà, on est résilient, on ne le lâche pas. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. On va passer aux délibérations relatives à la petite enfance. Sandrine. Pension et financement, finalement, pour l'instant. C'est l'occasion pour vous rappeler, mais on l'a dit tout à l'heure lors de la présentation du ROB, que la petite enfance, la parentalité sont aujourd'hui intégrées au CCAS. Donc, par la présente convention, il s'agit de voter le financement, de présenter une convention. Ouh là là. Pour le financement, la participation financière pour Oantea ou Oantea Tiki, participation financière qui se base sur les critères de la PSU, donc appliquée à l'heure. Vous avez en annexe tout le détail du calcul qui a été fait. Donc le montant de la participation pour la première période du 1er janvier au 30 avril se monte à 48 257 euros. Donc il s'agit d'un versement sur 4 mois puisqu'on espère qu'au 1er avril on pourra s'appuyer sur les nouveaux calculs issus de la convention territoriale globale. Pour Oantea Tiki, le montant de la participation pour la période du 1er janvier au 30 avril se monte à 15 114,68 €, donc sur 4 mois également. Donc il était ainsi proposé au conseil municipal de valider les montants de la participation de la commune, d'approuver le projet de convention d'objectifs et de moyens présenté en annexe, d'autoriser M. le maire à signer la convention correspondante et d'approuver le principe de la régularisation pour 2022. Y a-t-il des questions? Madame Izaguirre. Une précision. Tout à l'heure, André, tu disais que le personnel dans le budget de fonctionnement, que le personnel crèche, enfin, si j'ai bien compris, c'est ça, que le personnel crèche était communal, mais pas du non, tout. Non, j'ai mal compris, autant pour moi. Non. Voilà, donc là, non. Je me suis mal expliqué. C'est l'occasion de rappeler qu'à Urugne, tous les modes d'accueil, qu'on appelle souvent mode de garde, mode d'accueil du jeune enfant, donc de moins de 3 ans, est assumé aujourd'hui par les associations, dont Oantea, qui a l'établissement Oantea et Oantea Tiki, pour lequel on vient de voter cette convention. Maintenant, il s'agit de la même convention financière, mais pour Kimua, participation... Pardon. On va d'abord voter sur cette délibération. Alors, on note que Mme Izaguirre et Mme Julie Guécap de Vienne ne prennent pas part au vote. Donc, on est pour l'instant sur Oantea Tiki. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité, hormis donc les deux élus n'ayant pas pris part au vote. Et là, effectivement, on peut parler de la convention financière avec Kimua. Donc, il s'agit également de soutenir le fonctionnement de l'établissement Kimua, qui accueille des enfants de moins de 3 ans, si je ne me trompe pas, 20 mois à 3 ans.
Donc je vous fais grâce de tout le détail du calcul, mais je rappellerai juste que le montant de la participation pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023 s'élève à 11 032,20 €, avec un versement des acomptes sur 4 mois. Il est ainsi proposé au conseil municipal de valider les montants de la participation de la commune, d'approuver le projet de convention d'objectifs et de moyens présenté en annexe, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante et d'approuver le principe de la régulation pour l'année 2022. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. On poursuit toujours, cette fois-ci, avec des associations de gestionnaires de services toujours liés à la petite enfance, Sandrine. Tout à fait. Donc là, il s'agit des conventions de partenariat avec l'association Saphir pour la crèche familiale. Je rappelle que la crèche familiale, il s'agit d'assistantes maternelles qui sont salariées donc, de cette association. L'association Céleste pour le relais petite enfance, donc, qui œuvre pour la professionnalisation, le soutien du métier d'assistante maternelle et l'information aux familles. L'association Claire pour la microcrèche, anciennement MAM, qui est située, pour votre information, à Camietta. Ainsi, les montants pour l'année 2023 pour chaque mode d'accueil ont été fixés comme suite. Pour la crèche familiale, 7 000 heures au taux horaire de 2 euros, soit 14 000 € maximum. Voilà, c'est un montant plafonné à 14 000 €. Pour la microcrèche, 23 000 heures au taux horaire de 1,60 €, soit la somme de 36 800 €, auquel s'ajoute la cotisation annuelle de 5 €. En ce qui concerne le relais petite enfance, la participation s'élève à la somme de 11 897 € pour l'équivalent temps plein, un équivalent temps plein de 0,30. S'ajoute à cette participation également la cotisation annuelle de 5 €. Au total, le montant total des participations s'élève à la somme de 62 712 €. Sachant que le CCAS assurera le relais sur le versement de ces participations, la commune ne prendra en charge que les montants du premier trimestre pour la crèche familiale et la microcrèche, ainsi que le montant total pour le relais petite enfance qui doit être réglé en une seule fois. Les conventions présentent également les objectifs partagés, les engagements respectifs de la commune du Rhône et des associations gestionnaires des structures. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver les dites conventions, de revoir les crédits nécessaires pour les participations qui seront versées. Je n'ai pas et d'autoriser monsieur le maire à les signer. Voilà. Merci Sandrine. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Donc, M. André Bayot ne prend pas part au vote. Donc, je vous remercie de le noter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Et je cède justement la parole à M. André Bayot pour deux délibérations relatives aux finances. Et la première concernant une garantie d'emprunt pour les travaux d'extension-réhabilitation de l'école Immaculée Conception. Bien. Nous avons été sollicités par l'OGEC, qui est l'organisme de gestion des écoles catholiques, qui gère Saint-François et l'Immaculée Conception. Et c'est une pratique assez répandue que les organismes donc, locaux demandent la caution financière de la commune pour pouvoir, d'une part, garantir les emprunts et, d'autre part, obtenir des taux d'intérêt le plus favorable possible. Donc, là, nous avons été sollicités par l'OGEC pour un montant de 400 000 euros. Si tu peux remonter, Mathieu, s'il te plaît. Sur une durée de 7 ans, au taux de 3,80%, et avec ce qui fait une échéance mensuelle de 5 430,77 €. Voilà. Y a-t-il des questions? Observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. Une augmentation des cartes de crédit que nous avions précédemment votées, André. Oui, donc au mois de décembre, nous avions voté les cartes de crédit. Donc pour mémoire, c'est un dispositif qui permet de ne pas attendre le budget
le vote du budget pour pouvoir dégager de l'investissement. Et donc nous avions prévu, à l'occasion de ce vote du quart de crédit, un montant qui n'atteignait pas encore le quart de la somme investie l'année précédente. Donc là, nous avons des besoins supplémentaires qui se sont fait jour, comme Philippe l'a indiqué tout à l'heure, un projet de préemption en BOB, donc pour 110 000 euros. Et enfin... Et un deuxième point qui consiste à la réfection d'un mur au chemin de la Quélécou, le mur qui sépare la voirie d'une habitation individuelle, pour 45 000 euros. Au total, les crédits ouverts à l'investissement après ce complément seront portés à 1 512 000 euros. Des questions ? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. Sachant que M. González s'est retiré de la salle. On passe aux modalités, aux délibérations relatives aux ressources humaines. Marie Chou. Oui, donc la première délibération porte sur le temps de travail partiel, le travail à temps partiel, j'y arrive. Bon. Il s'agit ici de poser un cadre, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de cadre clair pour le travail à temps partiel. Donc, le temps partiel, il y a deux types de temps partiel. Le travail temps partiel de droit, pour des raisons familiales, et des temps partiels pour raisons personnelles, qui est accordé sous réserve de nécessité de service. Alors, cette possibilité est accordée aux fonctionnaires, stagiaires et contractuels depuis 1 an, travaillant à temps complet pour ce qui est du temps partiel pour raisons personnelles, et fonctionnaires, stagiaires et contractuels de plus d'1 an, travaillant à temps complet ou à temps non complet pour les agents qui demandent un temps partiel de droit pour raisons familiales. Vous avez bien entendu le protocole complet en annexe. Est-ce que j'ai été assez claire ? Oui, puisqu'il n'y a pas de questions ni d'observations. Donc, il vous est donc proposé de décider de la mise en place des modalités d'exercice du travail à temps partiel selon les modalités définies dans le protocole organisant l'exercice du travail à temps partiel, joint en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire de prendre des autorisations individuelles en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la précédente délibération. Mileshker Marichou, donc pas d'observation, pas de remarque. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. On passe à la modification du tableau des effectifs. Oui, au 1er mars, donc, nous vous proposons la création, tout d'abord, d'un poste d'adjoint technique à temps non complet, 20-35e, pour assurer des missions de remplacement au service entretien des bâtiments communaux et ainsi éviter de recruter des agents contractuels. Ensuite, la création d'un poste de technicien principal 2e classe pour nommer l'agence sur ce grade suite à la réussite du concours. Ensuite, la création d'un poste d'adjoint d'animation principale 1ère classe pour permettre l'intégration de l'agent se trouvant dans la filière sociale vers la filière animation en remplacement d'un agent placé en congé longue maladie. Et la création d'un poste d'ATSEM principal de 2e classe pour remplacer justement cet agent parti sur le remplacement d'un agent en congé longue durée. Et ensuite, de supprimer un poste de rédacteur suite à l'avancement de grade de l'agent, la suppression d'un poste d'adjoint technique principal 1ère classe à temps non complet suite à l'intégration de l'agent dans la filière animation, et enfin la suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe suite à l'avancement de grade de l'agent. Vous avez également le tableau des effectifs au 1er mars qui est joint, et en annexe, vous avez le tableau comparatif au 1er mars 2023 et au 1er mars 2022. Si vous avez des questions. Et vous ne l'avez pas vu. Ah bon. Comme vous aviez demandé, voilà, il faut du temps, mais ça vient. Oui, une question.
parce que oui, parce que vous voyez que le poste de directeur général de service est indiqué, mais qui n'est pas pourvu. Mmh. Tu le montres l'autre tableau ou l'autre tableau, ouais. Voilà. Tout à fait en bas, Mathieu. Vous voyez, le poste de directeur général des services est ouvert, un poste, mais zéro pourvu. Parce qu'en fait, d'accord ? Voilà, c'est un jeu d'écriture. Hein ? D'autres questions ? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. Oui. Pardon. Il y a des abstentions, excusez-moi, de M. Levrero, M. Gavilan avec pouvoir de Mme Goya et M. Fourcade. La délibération suivante porte sur l'accroissement saisonnier d'activité. En fait, nous vous proposons de créer des postes pour les vacances scolaires au centre de loisirs du 10 au 21 avril, de créer 5 postes du 10 juillet au 1er septembre 15 et du 23 octobre au 3 novembre 4 postes. Là, c'est une délibération que nous prenons tous les ans pour engager donc des saisonniers pour le centre de loisirs. Y a-t-il des questions, des observations ? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. On va parler maintenant de l'avenant au temps de travail des 1607 heures. Marie-Thieu. Oui, donc nous avons mis en place au 1er janvier 2022 un aménagement de travail pour nos agents. Qui donc font maintenant 1607 heures. On en a largement parlé plusieurs fois. Nous avons trois types d'organisations administratives, c'est-à-dire les gens qui travaillent ici à la mairie, le CTM et les personnels qui sont annualisés. Donc nous avons apporté quelques modifications à l'organisation qui existait jusque-là. Pour le personnel administratif, nous avions mis en place l'ouverture de la mairie le jeudi, matin à partir de 8h au lieu de 8h30 et jusqu'à 18h au lieu de 17h30. Cette ouverture du jeudi n'a pas rencontré son public. On n'a pas eu beaucoup de monde qui est venu et nous n'avons pas jugé donc suffisant pour maintenir cette possibilité. Donc les personnels administratifs travailleront les 5 jours. La mairie sera ouverte du moins les 5 jours. De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les agents vont toujours pouvoir organiser des horaires variables fixes, c'est-à-dire qu'ils pourront arriver une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard le matin et partir une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard le soir, dans la mesure où le service est assuré. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une personne du service de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Pour le CTM travaille en journée continue de 8h à 14h30, à 15h30 l'hiver et de 7h à 14h30 l'été. On avait mis en place une équipe de 4 personnes volantes pour pouvoir intervenir après ces horaires-là. Mais là aussi, cette organisation n'a pas de satisfaction parce que les 4 personnes n'ont pas été très souvent sollicitées. Et donc là, on va remettre tous les agents du CTM en journée continue, sauf les 4 agents qui ont une fonction plutôt administrative qui, eux, suivront l'organisation de la mairie. Et enfin, le troisième groupe, ce sont les agents qui sont annualisés, c'est-à-dire les agents qui travaillent dans les affaires scolaires et sport jeunesse. Et pour cela, donc, il n'y a pas de modification. Vous trouverez donc évidemment en annexe le protocole complet modifié. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. On va désormais parler à la mise à disposition du personnel auprès du syndicat intercommunal d'aménagement de la Basse-Vallée de l'Uncine et de Voirie. Donc il convient de renouveler la convention de mise à disposition
auprès du syndicat intercommunal de la Basse-Vallée de Lounchin. Alors donc, il y a 5 agents, adjoints techniques, des espaces verts faisant chacun 183 heures par an, 5 agents, adjoints techniques, propriété urbaine à raison de 135 heures chacun par an, un agent de maîtrise, propriété urbaine, 135 heures par an, et un agent de maîtrise, encadrement et coordination, 170 heures par an. Vous avez également la convention complète en annexe. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. Toujours une mise à disposition de personnel, cette fois-ci, par rapport au syndicat intercommunal des écoles maternelles et primaires de Cibourg-du-Rugne. Oui, une nouvelle convention donc, qui va durer 3 ans à partir du 1er mars. Donc là, il s'agit de mettre à disposition 2 agents à temps non complet, 29-35e adjoint technique, 2 agents ATSEM, principale première classe, pour tout leur temps de travail, 3 agents techniques pour les encadrements de chantier à raison de 30 heures chacun par an, un agent à temps complet, 16h30 d'entretien des locaux, autrefois 610h50 par an, et après 5 agents du cadre d'emploi adjoint d'animation qui ont chacun un horaire différent que vous pouvez lire sur le document. Et vous avez donc la convention qui est également en annexe. Bilechker, y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et enfin, dernière délibération, Marichou. Dernière délibération qui porte donc sur le recrutement d'un responsable des systèmes d'information. Notre informaticien que nous avions embauché début 2021 va nous quitter le 17 février. Nous avons donc lancé une procédure de recrutement. Nous avons eu 8 candidatures. Donc, on est arrivé au terme du recrutement, là, maintenant. On a eu 8 candidatures, 7 non-fonctionnaires et 1 fonctionnaire en disponibilité. Nous avons reçu 2 personnes et c'est la personne qui n'est pas fonctionnaire qui a retenu notre attention. Donc, nous vous proposons de lui proposer un contrat de 18 mois, sachant que la loi nous permet de faire un contrat de 6 ans maximum. Donc on va commencer par 18 mois pour voir s'il se plaît chez nous, si ça va bien avec lui. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention de M. Levrero, M. Gavilan avec pouvoir de Mme Goya. Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. Milechker Marichou, dont la voix a tenu jusqu'au bout. Bien, pour terminer, avant la question diverse, 3 délibérations relatives aux biens communaux, 4 même délibérations relatives aux biens communaux, travaux, infrastructures. Je vais en présenter certaines le mieux possible à la place de Nicolas, qui est aujourd'hui absent. La première relative donc à l'extension de réseau souterrain pour laquelle on doit donc signer une convention avec Enedis, comme on le fait assez souvent lorsqu'Enedis doit réaliser des travaux, soit d'enfouissement ou autres, sur des parcelles publiques. C'est le cas ici. On doit bien sûr conventionner avec eux pour qu'ils puissent bénéficier d'une servitude de passage. C'est le cas ici et il s'agit, pour une bonne information de toutes et tous, de permettre le raccordement du site INR qui va installer des panneaux photovoltaïques sur le centre de loisirs à Sokoa. Et donc, il doit ensuite le raccorder au réseau. Donc, travaux qui doivent être réalisés par Enedis. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. On parle désormais de la mise à disposition des installations d'éclairage public, donc liées au transfert à territoire d'énergie, donc anciennement SDEPA, pour la compétence donc travaux neufs d'éclairage public. Alors, je vais essayer d'être le plus pédagogique possible dans cette délibération, qui n'est pas simple. Alors, pour que vous sachiez, pour des différents travaux, notamment travaux d'enfouissement
ou autre installation de réseau d'éclairage public, le SDEPA, anciennement SDEPA, donc aujourd'hui Territoire d'énergie, nous subventionne sur des seuils de 90 000 euros par an. Hein. Or, donc, avant une réforme qui a été engagée par un arrêté ministériel du 30 décembre 2020, ces subventionnements permettaient, donc, à l'époque, au SDEPA, aujourd'hui au Territoire d'énergie, de pouvoir ensuite bénéficier et récupérer le fonds de compensation de TVA, ce qui permettait aussi pour les communes, pour leur partie résiduelle. Or, cette réforme a eu pour conséquence de ne plus permettre à ce syndicat de récupérer le fonds de compensation de TVA et également de semer un peu le doute sur les possibilités de récupération par rapport aux communes. Donc il y a eu des négociations qui ont été menées entre ce syndicat et donc la direction départementale des finances publiques. Et ces négociations ont permis d'aboutir à un accord ou à une solution pour pouvoir continuer à ce que le syndicat puisse continuer à bénéficier de ce fonds de récupération de TVA. Donc il s'agit de faire une mise à disposition, donc les communes mettent à disposition du syndicat Territoire d'énergie les installations d'éclairage public, précision étant faite que on ne délibère là que pour tous les travaux qui seront réalisés à partir du 1er janvier 2023. C'est-à-dire que toutes les infrastructures ou travaux réalisés avant cette date restent bien sûr propriété et dans l'actif des communes. Je ne sais pas si j'ai été clair. On verra vite s'il y a des questions ou pas. Il n'y en a pas. Donc j'ai été clair. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. Et pour la prochaine délibération, je cède la parole à Marie-Christine Elizondo, qui va nous parler des prix pour les acquisitions foncières pour travaux d'amélioration des voies ouvertes à la circulation. Oui, effectivement. Effectivement, la commune est amenée régulièrement ou occasionnellement, tout dépend, à faire parfois des acquisitions pour des réaménagements de voiries ou autres. Et à chaque fois, se poser la question à quel prix, comment. Donc, après avoir pris attache auprès de la SAFER et sachant que les domaines ne donnent plus d'estimation en dessous de 180 000 euros, les parcelles, si elles sont trop petites, si ce sont des délaissés, il faut qu'on se débrouille nous-mêmes. Donc, la commission des biens communaux a donné un avis de principe favorable à ce chiffrage. Donc, à partir de maintenant, les prix d'acquisition et à prendre en considération seront les suivantes. Donc, les bois taillis sur une base SAFER à 30 centimes le mètre carré. Les terrains et autres, et c'est souvent ce type de parcelles que l'on a à débattre et qui sont souvent en zone U sur le PLU, qui sont des bords de route, des fossés, des jardins d'agrément, des délaissés, sont estimés à 3 euros le mètre carré. Un terrain agricole, alors les terrains agricoles, on a des références à faire sur ce qui s'applique sur le territoire. Donc vous avez 4 types de terres avec des prix qui se pratiquent sur le territoire Pays Basque. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer les prix des futures acquisitions foncières par la commune, telles que mentionnées ci-dessous. Et bien évidemment, si jamais un jour la commune avait aussi à vendre des parcelles qui se reportent à ce descriptif-là, logiquement, on appliquerait le même régime. Oui, André Bayot. Il y a une petite coquille dans la rédaction, afin que ce soit homogène. C'est soit 30 centimes le mètre carré, soit 0,30 euros, et non pas 0,30 centimes. Oui. C'est 30 centimes le mètre carré. D'accord. Bravo, André. Non. Personne ne l'avait pas vu. Alors, y a-t-il des questions ? Des observations ? Il n'y en a pas.
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Et on termine par l'adhésion donc au service commun mutualisé de la CAPB pour l'accompagnement et la mise à jour de l'adressage et signature de la convention. L'adressage, très important, hein, puisque c'est sur la base de ces bases de données qu'ensuite, notamment, les services de secours, etc., sont renseignés. Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter avec beaucoup, beaucoup d'attention. Donc aujourd'hui, comme le fait sur d'autres secteurs, la communauté agglomération Pays Basque met à disposition des communes un service commun mutualisé pour accompagner ces communes, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le suivi et l'actualisation des adressages, et notamment ce service commun passe par la mise à disposition d'un outil financé et développé par le service information territoriale de la communauté d'agglomération et la mutualisation d'un agent dédié donc, qui aide les communes à mettre à jour leur adressage, donc aide par le biais d'un appui technique ou méthodologique. Donc dès lors que la communauté agglomération Pays Basque met au service des communes un service commun mutualisé, il y a bien sûr des tarifs que vous avez sur un tableau qui est présenté, et vous aurez noté effectivement que ces tarifs sont bien moins importants pour toutes les communes qui dépendent du pôle sud Pays Basque. Pourquoi ? Parce que le pôle sud Pays Basque et anciennement communauté de communes sud Pays Basque s'était déjà doté d'un service d'un SIG, et que par conséquent aujourd'hui il y a déjà un important travail qui a été fait au niveau de ce pôle-là, donc d'où ces tarifs que je dirais peut-être pas préférentiels, mais en tout cas moins importants que pour les autres communes. En ce qui nous concerne, comme on est une commune située entre 10 000 et 60 000 habitants, on aurait à payer donc un tarif annuel de 350 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Des observations ? Il n'y en a pas. Donc je vous propose de passer au vote et d'approuver donc l'adhésion à ce service commun mutualisé et de m'autoriser donc à signer la dite convention d'adhésion. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette adoption à l'unanimité. Et pour terminer, nous avons reçu donc une question diverse du groupe de monsieur Francis Gavilan, à qui je cède donc la parole pour nous lire la question. Du 12 décembre 2022, pardon. Vous avez comptabilisé une provision d'un montant de 20 000 euros pour le comité des fêtes afin de pallier au déséquilibre financier et de subvenir aux multiples impayés chez des prestataires connus et reconnus du RUN. Provisionner une telle somme a occasionné une suspicion bien légitime chez de nombreux RUNIARS. Pouvez-vous faire un point sur cette situation préjudiciable pour les acteurs économiques concernés et inédite sur notre territoire ? Oui, nous pouvons faire un point, et nous pouvons faire un point d'autant plus que nous avons eu les derniers éléments d'information et les dernières réunions avec les représentantes du comité des fêtes juste la semaine dernière. Donc après avoir rencontré les anciens dirigeants, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je parle d'anciens dirigeants de ce comité, et après avoir réclamé à de maintes reprises, mais on l'avait déjà évoqué, de nombreux éléments comptables que nous réclamions pour éclaircir un petit peu tous les mouvements de fonds qui étaient intervenus par rapport à l'organisation des fêtes, nous avons enfin obtenu tous ces éléments-là la semaine dernière. Après analyse donc de ces derniers éléments ainsi que des dernières réponses obtenues à nos questions diverses, on est aujourd'hui en mesure de vous dire que le déficit ne serait plus de 20 000 euros, mais que le déficit serait de 5 326 euros. Ces 20 000 euros ayant été estimés à l'époque, à la lueur des éléments d'information que nous avions à ce moment-là. Donc aujourd'hui, heureusement, grâce à ces éléments d'information supplémentaires qui nous étaient obtenus, le nouveau chiffre est celui-là. Deuxième élément de réponse, et c'est celui-là, je pense, qui est important. Ensuite et surtout, il nous a été donc indiqué
la semaine dernière que les anciens dirigeants de ce comité se retiraient et qu'une nouvelle équipe se mettait en place. Nous avons donc reçu, immédiatement après avoir eu cette information, les premiers membres de cette nouvelle équipe qui nous a fait part de leur motivation pour préparer les Bichinchos de cette année 2023, mais également pour préparer et pourquoi pas prévoir d'autres activités ou festivités pendant l'année au-delà des Bichinchos. Mais en tout cas, déjà préparer les Bichinchos. Mais à la condition que nous les aidions. Nous allons donc les aider. Et ils nous ont également fait part de leur souhait et de leur volonté de lancer un appel à l'ensemble des jeunes de la commune qui seraient donc intéressés et qui seraient prêts à s'impliquer pour l'organisation de ces fêtes. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai cru comprendre qu'il y a déjà un premier appel qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et donc je profite de l'occasion aussi pour faire un appel à tous les jeunes qui sont prêts à s'investir dans l'organisation de ces fêtes-là, à rejoindre ce groupe de jeunes qui est motivé, mais qu'on devra épauler et qu'on devra aider ce à quoi on s'est, nous, engagés en tant que commune. Et je sais aussi que d'autres comités de ce territoire, pour ne pas citer le comité de fête d'Aulette, a aussi fait des propositions d'aide à ces nouveaux, à ces jeunes. Donc voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, donc, ce que nous espérons, c'est qu'on reparte sur de nouvelles bases saines et qu'on aura de belles fêtes de Bichincho 2023. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Et je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.